Salut à tous, merci d'être là déjà pour cette deuxième. Aujourd'hui, on était avec Patrick Poivet pour la grande première de Stream VF et deuxième émission. On est avec une des voix françaises les plus reconnues de France. Il a doublé tous les héros les plus badass. Il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. J'ai nommé Boris Rélinger. Comment ça va? Bah écoute, mon petit Renew, ça va très bien, je vous remercie. Et puis, bonjour à tous. Voilà, moi, je suis très heureux de faire cette deuxième. On est très content d'être ici pour parler, vous le savez, de jeux vidéo. Quand on est comédien, on ne sait pas trop ce qu'on fait. On est dans le noir complet, on ne voit pas les images, on doit s'imaginer, un peu comme un livre. On va revenir là-dessus, évidemment, pendant tout le live. Mais voilà, on est là pour vous présenter les voix françaises les plus connues. Les potes, et voilà, donc évidemment les potes, ils sont là en premier. Aussi, oui. C'est vraiment trop cool. Boris, c'est plein de voix super connues. Pour tous ceux qui débarquent et qui voudraient en savoir un peu plus sur lui, je vous ai préparé un petit best-of de tous les meilleurs doublages de Boris. C'est maintenant. Tu sais ce que je crois? Je crois que peu importe ce que je crois. Le téléfilm du lundi. Que l'Amérique soit ton allié. Ouais, c'est ça. Je veux que tu me fasses confiance. Fais-moi confiance. Je sais que moi, dans l'histoire, je suis que le porte-bagage. Mais chacun dans notre genre, on est tous super importants dans ce groupe. T'as emmené toute ta bande avec toi? Ça va être bonheur. Tu passes un coup de fil à tes copines du salon. Tu les as eues! Anude l'ogre, grand mon père vengeur. Je suis le chat! Poté! Ça me fait carrément chier de les voir. Allez, viens, c'est ta famille. Ils ont besoin de toi.
Et tu te rappelles ce que je t'ai dit, hein? Avec 80 kilos de plus, les amortisseurs coniques que j'ai posés en prévision de ce transport ne nous permettront pas d'échapper aux véhicules de la police qui peuvent nous prendre en chasse. Démarre cette voiture, bordel, ou je te colle une balle dans la tête! Et qui conduira la voiture? Descends-le, ce connard! Moi, je conduirai! Jamais sans le code de démarrage, messieurs. L'état-major veut qu'on se batte comme des machines. Ils veulent qu'on soit sans cœur, qu'on fasse des choix d'ordinateur. Mais nous ne sommes pas des machines. Où vous allez? Faut que je finisse ça! Non! Non, je vous lâcherai pas! Je le sais! Qui êtes-vous? John Connor! Hé, hey, oh, qu'est-ce que c'est? Dutreuil, on aimerait bien pouvoir faire notre petite affaire si ça te dérange pas. C'est qui ça? Ça, c'est Bruce Wayne. Ça doit être mon côté Gotham. Il faut dire qu'on a de mauvais souvenirs de monstres déguisés en clowns. Les gars, Bruce Wayne face à Clark Kent. J'adore ça. Elle est avec toi? Non, je la croyais avec toi. Il a tout doublé, tous les héros. En plus, t'as vu, non. On a mis les deux petits extraits, on a bossé ensemble. Oui, on a bossé ensemble. Oui, ouais. Un très bon souvenir d'ailleurs. Ah, c'était exceptionnel, on s'est vraiment éclaté. Souvent, on n'est pas ensemble d'ailleurs, on est toujours un peu séparés. Oui, on n'enregistre pas ensemble, mais j'ai eu la chance d'être dirigé par... Donald Renew. On va en reparler tout à l'heure, tout évidemment. À l'heure. Mais c'est vrai qu'on était sur Terminator, quand je criais « Où est-ce que vous êtes ?» Et ben, c'était moi et le Lex Luthor aussi. Donc ça m'a fait plaisir voilà, de pouvoir vous mettre un petit peu cette interaction qu'on avait tous les deux. Vous le savez, aujourd'hui, on est là pour parler de Just Cause 4, où tu as prêté ta voix à Rico Rodriguez. Mais ils n'ont pas voulu d'accent. Ah oui, t'as pas pu faire comme le chapeauté? Non, je n'ai pas pu faire comme les chats. Ah. Non, je fais juste la voix, je ne fais pas les yeux. Comment tu fais pour tenir un accent comme ça? Je pense qu'il faut avoir de l'oreille. Depuis que je suis gamin, je crois que j'ai toujours passé mon temps à travestir ma voix, à m'inventer des personnages. Et je me suis beaucoup déguisé quand j'étais petit. Ouais. Voilà. Et puis, en fait, il faut essayer de se rapprocher le plus possible de ce que donne l'acteur original. Donc, c'est un travail d'humilité, un travail d'ombre. Ouais, forcément, voilà. C'est vrai qu'on cherche toujours à trahir le moins possible la VO. On en parlait déjà dans le précédent live avec Patrick Poivet. Évidemment, il a pas dit père à tous. Ouais, oui, c'est le parrain de cette émission, vous le savez. Je vous le disais tout à l'heure, on est là pour parler de Just Cause 4. Pour tous ceux qui débarquent, qui n'auraient pas suivi cette grande série, qui est ce monde ouvert de Just Cause 4, très très fun, on vous a préparé une petite vidéo pour vous résumer un petit peu ce que ça donne. On va vous mettre ça dès maintenant. Just Cause 4, c'est commencé avec une sortie en 2006. Ça, oui, ça pique, hein, c'est déjà du rétro gaming, parce que c'était déjà sorti sur PS2. Et c'était quand même sorti sur PS2 et Xbox. Donc c'est un open world qui a compris tout le kiff que peut apporter, en l'occurrence, un véritable bac à sable bien fun, comme on le disait. Pour faire court sur l'histoire du 1, le scénario, ça se déroule sur une île fictive, San Espirito, avec notre héros de la CIA, Rico Rodriguez, qui arrive au milieu d'une guerre civile contre le président Mendoza. Rien à voir avec les cités d'or. Hein. Et comme d'hab dans le jeu, la CIA on voit un seul mec faire le ménage à lui tout seul. Dans le 2, sorti en 2010, encore un dictateur, Pandak Panay. Et lui, il retourne l'île de Panao parce qu'il est bien vénère et qu'il veut conquérir le monde. On suspecte un commandant disparu de la CIA, Tom Sheldon, d'avoir rejoint le dictateur pour l'aider, mais en fait non. Et quand Rico le retrouve, il lui fait des bisous et ils repartent copains. Évidemment, tout ça se finit bien. Et comme Just Cause est un jeu ultra réaliste, Rico accroche le dictateur Panay à un des missiles nucléaires pour s'écraser dans son pétrole, alors que tout ça devait finir sur la tête de Donald Trump. C'est dommage en fait. Du coup, ça continue sur le 3, Rico il quitte la CIA et il vient un petit peu à son compte. Et devinez quoi, il retourne sur Medici pour changer une île imaginaire. Et pour changer une deuxième fois avec un autre dictateur. Qui va accrocher aussi un... Bah pas encore, on va pas le spoiler le truc. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Le dictateur c'est Di Ravello, qui n'a rien à envier au sergent Garcia. T'aurais pu le doubler, hein, ça, le petit accent. Bon oui, tout à fait. Aussi. Et il retrouve sur Medici son pote Mario, son ami d'enfance, rien à voir avec le plombier, et qui est un chef rebelle. On rajoute à tout ça la quête du Bavarium, un agent de la CIA pas très clair, Tom Sheldon, un grappin, et encore un dictateur a fait tomber. Et vous obtenez un nouvel open world sur les consoles actuelles, très très barrées. Voilà, Just Cause, c'est tout ça, c'est du fun, c'est un monde ouvert. Et aujourd'hui, ça continue avec le 4. C'est vrai qu'ils ont essayé de pousser un petit peu l'histoire, le scénario. Parce que ça se répétait souvent, mais voilà, c'est pas ce qu'on lui demande, c'est du fun. Et bah, du coup, on va démarrer directement le jeu. Je suis content parce que moi, je n'ai jamais vu une image. Mais oui, mais ni c'est... du 1, ni du 2, du 3, du 4. Pas une image ? Si, quelques animatiques et encore pas tout à fait terminées. Voilà, mais non, moi je ne. Je joue pas.
Donc c'est rien que cette poignée m'angoisse. Bon bah si écoute, je te ferai tester tout à l'heure, tu verras ça. On a une petite nouveauté, vous verrez, c'est les 10 questions qu'on posera à Boris et à tous les futurs invités. On va démarrer tout de suite le stream parce qu'on est quand même là pour ça. voilà, on va démarrer, tu vas découvrir la première scène, c'est la cinématique d'ouverture qui parle un petit peu de ce qui s'est passé dans le 3. Et on découvre ça tout de suite. Accrochez-vous, on est parti pour Just Cause 4, on est parti pour une heure. T'as jamais vu une seule image? Très peu. En fait, quand j'ai dit animatique, c'est vraiment, on avait vraiment des animatiques. C'est de l'animation, il n'y avait pas les bouches, c'était pas fini. D'accord. Donc là, l'image définitive, je la découvre avec toi. Tu vas voir le résultat final, avec le petit coup de vernis qui va bien. Voilà. Tu connaissais cette saga avant de démarrer dessus? Pas du tout. En fait, je suis pas très au fait. Je suis très old school. D'accord. Je suis pas très... Je suis pas très dans le jeu vidéo, dans le jeu vidéo ça, assez peu, peut-être parce que j'ai plus de 50 ans, ça n'a pas d'âge pour ça le jeu vidéo. Mais je suis absolument fasciné, moi, c'est par les progrès en animation, les décors, on a presque des fois, d'autres jeux où on a l'impression de voir du cinéma, pas encore, mais je pense que ça arrivera. Moi je le verrai peut-être pas, mais mes petits-enfants le verront peut-être. Ouais. Ça avance bien d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais t'as bossé sur Détroit et c'était vraiment proche de avec la motion capture d'avoir des résultats plus que réalistes. Tu vois ce personnage là, Rico, c'est Gérard Butler quoi. Je suis sûr qu'ils s'en sont inspirés pour le faire hein, bien sûr, il y a un vrai air. Alors Gabriella c'est la méchante, elle dirige la main noire, c'est une milice privée. D'accord. Et Espinoza, devine quoi, c'est un dictateur. Sans déconner. En tout cas ça laisse bien le penser. Et devine quoi, on est sur une île imaginaire. Dingue. Et là tu vas arriver, on va retrouver Rico, qu'on n'a pas vu depuis un moment. Ariana. Alors là c'est le projet Iliapa, c'est une tour, c'est un petit peu le fil rouge du jeu. Et attention, Boris incoming. Enfin, ça va pas tarder. Ouais. Voilà la super arme de mon père. Le projet Iliapa. C'était un type bien, mon père. Un scientifique. Pourquoi il aurait construit une chose pareille? Mon oncle aussi était quelqu'un de bien. C'est quand même assez fou, quand même. Et ils sont morts tous les deux. C'est bien, en plus, les cinématiques, ça pose bien question. En mode cinéma. Mmh. C'est top. Il nous faut des réponses. Tu peux pas faire ça tout seul. Je connais des gens qui peuvent nous aider. J'ai l'habitude de ce genre de choses. Cette fois, c'est différent. Les intempéries, ça va pas m'arrêter. C'est plus que de simples intempéries, Rico. Tu le faisais vraiment. Écoute sans image, tout ça, c'était dans le fichier Excel. Un plan, c'est une liste de choses. Il fallait vraiment que ce soit que la courbe de ma voix corresponde exactement à la courbe de la langue originale. Et on détruit le projet, il n'y a pas. Et ce qui était vraiment aussi, ce qui est très intéressant, c'est que comme on ne le fait jamais ensemble et qu'on n'a pas d'image. Bonne chance à toi. Ma joyeuse camarade qui double Marie Tiremont. Marie, en fait, on a l'impression qu'on l'a enregistré ensemble. Ouais. Et ça prouve que Jean-Philippe Brière. Eh oui, de la marque Rose que l'on salue. Voilà, que l'on salue très fort, évidemment. A très bien fait son travail. C'est toute une belle équipe, que ce soit la marque chez Dune. Exactement. Ou chez Azrex, c'est des personnes avec qui on adore bosser et qui des font ça avec amour, avec passion. Et ça fait plaisir, toute cette belle équipe. Alors tu vois, dans le jeu, ça ressemble un petit peu à Spider-Man d'ailleurs. On tisse pas la toile, mais là on a un grappin, donc tu vois, on peut vraiment s'accrocher partout et tu vas voir. Alors on a des... Un dos il sort, il l'a dans son dos. Alors non, faut savoir que dans un jeu vidéo, tu peux avoir un Uzi, un shotgun, un MP4 dans ta poche. Et un Magnum avec toi, tout ça qui tient dans la poche ou un sac à dos au pire. D'accord. Faut le savoir. Faut le savoir. Et toi, le jeu, c'est vrai que tu ne le connaissais pas avant, mais tu trouves ça cool au niveau des graphismes, toi qui es un peu extérieur au jeu vidéo? Écoute, moi je trouve que ça bouge bien. Moi j'ai un fils qui joue un peu, pas trop. Et s'il y a vraiment un jeu dont je suis vraiment très fan, même si je ne joue pas, c'est Assassin's Creed. Ah, toi aussi? Ah, pour moi, je crois que c'est ce qu'il y a de plus
toute la recherche sur la architecture, les scénarios tirés de l'histoire sont... Alors mon fils joue et donc il tient la manette et moi je suis à côté de lui, je lui dis « Ah, est-ce que t'es allé voir ça ? Non, t'as oublié d'aller voir ça, parce que moi j'ai une vision plus large, comme je suis plus vieux, j'ai une vision plus large que lui. » Bien sûr, ouais. En fait, on se complète. Et moi, voilà. J'ai pas la chance d'avoir de la famille qui aime vraiment regarder les jeux vidéo. Souvent, là, c'est un peu... Là, tu dois faire quoi, là ? Là, il faut que je remonte. Tu grimpes, là ? Ouais. Attends. Alors il faut que je remonte, tu vois que j'utilise le grappin pour remonter. Attends, j'ai juste, parce que j'ai plus accès, je vois plus le chat. Faudra remettre le mot de passe, il s'est reverrouillé l'ordinateur. Ce serait cool. Donc du coup, il a un grappin, c'est un petit peu son arme préférée. Ah bien, salut les copains. Et boum! Alors tu vois, c'est très réaliste. Ah hein. Oui, d'accord. Voilà, c'est Just Cause. C'est des explosions, c'est... Voilà. Bah, c'est Bruce Willis, quoi. C'est Bruce Willis qui meurt jamais. Il manque que le débardeur, hein, si tu veux. D'accord. Et du coup, toi, est-ce que tu avais regardé sur YouTube ou des vidéos d'autres jeux? On va en parler de ce que tu as fait avant. Tu n'as jamais essayé, par curiosité, de voir ce que tu avais pu faire? Non, c'est vraiment... c'est pas un manque de curiosité, c'est vraiment un manque d'occasion... Parce que une caisse remplie d'armes. C'est très... maintenant c'est devenu, je trouve, tellement compliqué. Ouais. Je veux dire, t'as 10 touches, ouais, enfin plus. Pas évident, enfin, ouais. Voilà, il y en a, je sais pas, une vingtaine. Donc moi j'en suis resté, il y a des choses très très très, très petites. Ouais, tu attends, vois, des petits jeux. Faut que je mette le mot de passe. Voilà, oui. On est venu mettre en mode motus le mot de passe derrière. Bougez tu veux pas. Que je te le dise? Ouais, c'est ça, c'est... Hop. Mais du coup, est-ce que ça va risque pas de revenir se rebloquer après? Mot de passe est incorrect. Forcément, quand on essaie de le faire vite. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Ouais, exactement. Voilà. Mot de passe incorrect, magnifique. Attends. Hop. Ah, c'est parce que t'es pas branché. C'est bon, on est dessus. Sauvé. Voilà. Là c'est bon, il s'était débranché. Alors, on va pouvoir reprendre un petit peu le fil. Ce qui prouve que c'est en direct. Ah ben oui, exactement. Voilà, on est toujours, il y a toujours des petits trucs qui arrivent. Alors attends. Voilà, on va avancer. Polo, notre ingénieur. Tout à fait. Voilà. Il voulait absolument passer, donc voilà, du coup... C'est ça, l'envie de passer à l'image. C'est tout ce qu'il a trouvé. Comme technique, il y a mieux quand même. Ouais, bah c'est un peu gros, il m'avait dit, je vais trouver un truc, bon voilà. Le coup de la panne, c'est ça, il faut toujours le faire. Donc oui, alors pour reparler des jeux, non, je suis pas allé voir. Si on chiaserait que... Il y avait, c'était Ghost Recon. Mais oui, on va en parler juste après. Ça. Donc, y avait, ouais. Et là, j'avais vu l'animatique, la cinématique, pardon, et j'avais été, mais à la bande-annonce, c'est joli, la bande-annonce hein. Du film, je me suis un lapsus. T'as raison. Je trouve ça assez génial. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que si on fait un petit peu le compte des jeux sur lesquels t'as bossé, il y a eu Tropico. T'avais fait un dictateur d'ailleurs, t'étais dans l'ambiance. Hein. Ah oui. T'as bossé du coup sur God of War, sur Détroit. Et puis le reste des jeux, on va en parler juste après dans la vidéo. Et d'ailleurs, tu sais quoi? La vidéo, on l'a préparée sur tes meilleurs rôles. Et on va découvrir ça ensemble. Je vous laisse découvrir tous les plus gros rôles, les plus marquants de Boris sur les jeux vidéo. On peut pas tenir plus longtemps. On l'a fait découvrir tout de suite. J'en ai oublié, forcément. Jesse McCree. Désolé, Ash. J'ai pas eu une seconde. T'aurais vraiment dû y croire, Jacob. Maintenant, c'est toi que je traque. Resident Evil 6.
nous sommes des survivants, entraînés pour résister aux conditions les plus extrêmes. Nous sommes les ghosts, et nous n'existons pas. On est passé tout près de la catastrophe. Les moissonneurs préparaient une attaque. Détruire le relais était le seul moyen de les arrêter. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Vous devrez rendre des comptes à la Terre. Je sais pas si tu te rends compte, Boris, mais t'as incarné, enfin tu incarnes maintenant un des personnages les plus emblématiques des jeux vidéo, Chris Redfield dans Resident Evil. Est-ce qu'on t'en parle beaucoup des jeux vidéo dans les conventions quand tu fais rencontre des fans ? Eh bien, figure-toi que je fais assez peu de conventions. Mmh. J'en fais peu. J'en ai fait une, c'était Paris Manga. Mais oui, mais ce que voilà. Je sais que c'est tout. T'en as fait une pour ça. Et non, mais j'aimerais bien venir parce que j'aime bien ça. J'aime bien rencontrer les gens, puis surtout qu'ils me parlent de choses que moi je ne connais pas. Ouais. Donc ils m'expliquent en fait le travail, ce pourquoi j'ai fait tout ça. Ouais, complètement. Donc c'est bien. Donc moi je ne connais rien, je ne comprends rien. La plupart du temps, même l'histoire, vu qu'on n'enregistre pas forcément les fichiers dans le même sens, ouais. dans le sens narratif, donc on ne peut pas forcément savoir quelle est. Bon, on sait en gros l'histoire, mais comme on enregistre aussi toutes les possibilités en oui, fonction du ça. Choix, donc non, en fait, on n'a pas de fil continu de on a jamais le fil continu que nous quand nous enregistrons et on a juste une télé avec. Des bandes passantes avec la forme d'onde. La quoi, forme d'onde, bien et, sûr, hein. Et voilà. Alors, Et donc, du coup, Chris Redfield, ça te parlait pas quand on dit ouais, tu vas bosser sur Resident Evil, tu vas faire Chris. Non, non, du tout. Ça te parlait. Alors que nous, joueurs, moi, on me dit tu vas faire Chris Redfield. Normalement, je fais une syncope, je convulse pendant quelques secondes et après, je fais oh, trop non, bien. Toi, t'es né avec ça. Oui. Moi, je suis né avec les petites abeilles, tu sais, qui tournent. Ah, bah, les petites abeilles, t'es au bon endroit pour en parler. Spider, hein. Voilà, non, c'est ça, moi, j'ai ma première console de jeu, moi, c'était des. Le tennis. Oui, Pong. Avec le carré. Ouais, bien sûr. Bah, c'était Pong, c'est ça. Je crois que même Seb, ils en avaient fait une console qui tournait avec ce jeu. T'arrives à faire deux choses en même temps, je suis très ému. Ouais, c'est assez compliqué, c'est vrai que sur des phases de shoot, sur Wolfenstein, il y a des moments où c'était assez compliqué d'arriver à jouer, discuter, tenir la discussion et à écouter ce que me disait Patrick. Mais c'est pas évident. Et je sais que quand nos amis de Mass Effect Universe FR étaient venus le voir, Tu découvrais un petit peu le phénomène, tu découvrais le retour du public parce que t'as marqué les gens avec Shepard. Tu te rends compte encore maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là aujourd'hui parce que tu fais Shepard et pas forcément Just Cause. Hein. J'ai eu quelques lettres sur ce jeu pour me remercier du travail qu'on avait fait sur Mass Effect. Ouais. Et c'est pareil, je n'ai quasiment jamais vu d'image parce que vraiment je suis pas un joueur, c'est-à-dire que j'ai peur de. Si jamais j'y arrive, de vraiment tomber dedans. Oui. Ah, t'es comme ça, genre comme le poker, quoi. Ouais, non, le poker, non, je peux pas jouer au poker, je ne sais pas mentir. Donc... Ah, on est deux. Donc, je peux pas jouer au poker. Attends, je te quitte deux secondes, parce que maintenant le PC me propose de faire un redémarrage pour faire une mise à jour, donc je lui dis non. Ce serait dommage. Mais ouais, du coup, donc, tu t'auto-brides de peur d'aimer ça, en fait. Bah, en même temps, c'est devenu tellement compliqué. En plus, j'ai un sens de l'orientation absolument nullissime. Mais enfin, souvent, on est aidé avec des cartes. Je vois quand mon fils joue, il y a des cartes. Sinon, je ne saurais même pas. Je me perds. Et ouais. En sortant du métro, j'arrive pas à me repérer dans l'espace. Alors, t'imagines dans un monde virtuel, je suis un foutu. Dans l'espace, j'ai eu beaucoup de mal. D'accord. Donc déjà ça. Et puis tous les boutons. Le temps que j'apprenne, je pense que je vais m'énerver. Tu verras que ça vient très très vite. C'est vrai. Hein. Ouais, franchement. Ah, ne me tente pas. Ah, ne me tente pas. On verra si après ce live, ça te donne envie d'essayer. Et du coup, on en parlait, t'as des enfants, ils jouent ? Alors, ma fille, pas du tout. Ouais. J'ai une fille qui a 17 ans et demi, qui joue pas du tout. Et moi, j'ai un fils, oui, lui, il joue. Et puis, un jour, il a eu une mauvaise note. Donc, il a eu son PC supprimé pendant un mois et demi. Et ça l'a sevré. Oh, et ouais. Il a arrêté de jouer. Ah ouais, ouais ah, il n'avait pas forcément peut-être la passion jusqu'au bout. Ouais, alors. Voilà, pourtant il commençait à jouer avec ses copains en réseau là, et puis ça s'est arrêté. Ouais.
Mais bon, mais les Assassin's Creed, sans être en réseau, il les a fait. Et là, c'est lequel film dont je parlais, tu sais, Redemption 2 là ? Red Dead Redemption 2. Voilà. Ouais. Et là, il est, et c'est vrai que c'est, là, c'est hallucinant là, l'animation. Ah oui, c'est assez. Là, je comprends. Là, ans, ils ont mis pour le faire le jeu, je crois. Ouais, et puis j'ai peut-être 3000 acteurs, enfin, ou enfin, des choses, motion capture, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fera pas un live pour la VF sur ce jeu. Il y en a. Mais c'est Rockstar, hein, ils font tout en VO, donc bon, on peut pas on peut pas les blâmer. C'est vrai que c'est un côté authentique pour le Far West. Finalement, c'est peut-être pas plus mal. Il y a des choses que je pense qui sont très difficiles à doubler. Par exemple, tu vois une série télévisée comme Peaky Blinders, ouais, avec les accents cockney, c'est infaisable. C'est très bien, c'est très bien doublé, mais restituer cet accent. Ce phrasé What are you doing fucking dog en français, c'est compliqué. Et justement, en préparant l'émission, j'ai parce que moi, voilà, je regarde parce que ça me plaît aussi en VF. Moi, j'aime bien voir le travail des copains. Et j'ai vu l'accent qu'avait Jason Statham. Il est très prononcé, quoi. Tu essayes de faire quelque chose ou tu t'en fous? Non. Jason Statham, c'est à dire que là, dans la vidéo qu'on a vue, moi, la première fois que je l'ai doublé, c'était dans Snatch. Ouais. Et donc j'étais, entre guillemets, plus jeune, oui, même beaucoup plus jeune, et la voix était plus légère, la sienne aussi était plus légère. Mmh. Donc, comme dit un autre très bon ami à nous, qui aussi a fait pas mal de jeux, je pense, un certain Jérôme Powels. Je ne connais pas. Tu connais pas. Le juger. Mais je lui ai dit d'ailleurs, Jérôme, il faut absolument que tu fasses un gros rôle sur un jeu, t'inviter, ah oui. J'attends que ça aussi. Et Jérôme me disait, mais peut-être qu'en vieillissant, peut-être que comme on se prend moins la tête, la voix descend. Ah, ça c'est vrai. Tu vois, et donc la voix descend. Va dire ça à Richard Barbeau. Et pour faire Jason Statham, il est plus, lui il descend. Ouais. Il descend comme ça, il parle très proche. Ouais, bah voilà. Forcément, ouais. Ah, t'es très agile, hein, tu sais faire, hein, quand même. Bah écoute, je t'avoue, je vais être très honnête, la dernière fois, je découvrais vraiment le jeu Wolfenstein, et là... Ah bon, parce que j'ai trouvé très bon. Ah ouais, mais j'ai galéré 2-3 fois, j'ai dit, mais où est-ce qu'il faut que j'aille? Et alors là, j'ai joué l'équivalent de 2 heures pour vraiment connaître le jeu et savoir où faut que j'aille et pour pas galérer, parce que ça m'est arrivé sur Spider-Man aussi, d'avoir des moments où je savais pas quoi faire, et c'est dommage. Donc, et alors, voilà. Sinon, là, ton Rico, ouais, il a des balles à vie, il y a aucun moment où il a plus de balles. Non, regarde là, il y a marqué 21 et 35, c'est-à-dire que j'ai 21 balles dans le char, dedans, et j'ai 35 en réserve. Mais je te cache pas que à chaque fois que les mecs... Quand même. Bah sur les cadavres, tu vas voir rien. Ah d'accord. Rien. Bon, lui il a pris tarif. Hein. donc du coup, généralement tu vois, il y a les petits pictos. Là tu vois, si je passe à côté de lui, du coup je vais ramasser son arme. Donc, il y avait du bleu. Ah ouais, alors du coup celle-là, elle est très sympa cette arme, j'avais bien kiffé. Elle est plutôt cool. Et ça, en fait, c'est l'intro du jeu, parce que finalement, au début, je me dis, tiens, c'est bizarre, Just Cause, c'est dans la neige. Mais en fait, non. Voilà, on va arriver sur la cinématique. C'est pour te permettre de prendre en main le doigt un peu de... intro. Mais d'ailleurs, c'est le titre du jeu va arriver à ce moment-là. C'est compliqué. Hein. Ah, c'est pas facile. En tout cas, on voulait vous dire aussi que on n'a pas les notifications de pop sur les donations, sur les subs. Donc je vais pas les voir, donc je pourrais pas vous remercier. En tout cas, je vous remercie vraiment de votre soutien. Les c'est vraiment top. Subs. Ouais, bah, en fait, s'abonne ou c'est pour le c'est ou des donations c'est pour soutenir. Ouais, c'est un peu compliqué. D'accord. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Ren Alpha qui était là sur le live précédent. J'ai découvert ses messages que quand on a préparé l'émission, parce qu'on n'avait pas les notifications. Voilà, merci à vous de soutenir cette jeune chaîne, et ça fait vraiment super plaisir. Oui, ah non, bon, j'ai cru que ça marchait. On est encore en test, parce que j'ai vu la petite animation, et non, mais en fait non, c'était un test. Ah bon. Et c'est marqué Donald Renew a tissé sa toile, donc je pense que je m'auto-abonne pas, ce serait bizarre. on n'a plus ton overlay non plus, mais ça c'est normal, je crois. Non, ouais, c'est pour que ce soit un peu plus fluide et qu'il n'y ait pas les elles sont toujours très athlétiques aussi, les filles dans les jeux vidéo, je trouve. Tout à fait. Hein. Puis c'est des guerrières, quoi. Hein. Ah, tout à fait. Alors, t'as vu, il est avec sa wingsuit. Ah oui. Il a toujours une wingsuit, Rico. Dans son sac. Toujours, ouais, il a toujours une wingsuit. Ah oui, qui transforme à volonté. Mais là, ça se passe pas très bien. Donc du coup, il a essayé de pénétrer pour le projet IAPA, je crois. Et il s'est raté. Et du coup, maintenant, il tombe du ciel et il retombe sur l'île à Medici. Et là, bah voilà, il va falloir reconquérir tous les territoires petit à petit avec les milices du coin. C'est pas mal, en tout cas, c'est des jeux qui demandent beaucoup de temps. Regarde, on va t'écouter un peu. Tu es dans une situation difficile.
Regarde, Mira, j'ai rien cassé. C'est toujours. Rico. Allez, réponds. Mira. Rico, Dieu soit loué, t'es vivant. J'avais perdu ta position. Ouais, mon grappin est cassé. Tout comme ma wingsuit, mon parachute et quelques côtes. Je dois réparer tout ça. Ça rentre bien, t'as vu, t'as prévu le truc, quoi. Bien, souvent quand on fait le jeu, enfin, toi aussi t'en fais beaucoup, mais on rajoute souvent dans les animatiques, même si les cinématiques, et des respirations. Ouais. Des respirations parce qu'on dit « Ah tiens, c'est pas prévu ». Mais ce qui fait que tout d'un coup, ça devient crédible et vivant, parce qu'il y a de l'air, quoi. Y a les gens, le personnage respire, voilà. Il fait chier. C'est top. C'est cool, hein. Et il boite, hein. Ah, il boite un petit peu, ouais. Mais pas longtemps. Comme dans les films d'action, ça boite pas des masses. Tu fais comment, toi ? Tu t'imagines un peu ça comme un livre ? Tu t'imagines les situations ? Ou tu prends les répliques les unes par les autres, après les autres, pour coller au mieux ? Comment tu fais ? On essaye déjà... Moi, je fais énormément confiance au directeur artistique, celui qui nous dirige, parce que lui, il a la vision d'ensemble du jeu. Sans mon grappin, j'ai l'impression d'être amputé d'une partie de moi. Il y a parfois... En original, les voix anglaises, des fois je les trouve en dessous par rapport à une situation donnée, ou quand on voit une animatique, donc il n'est pas encore une cinématique parce que l'animation n'est pas finie, mais on a l'impression que c'est en dessous, ou que c'est trop au-dessus. Donc, alors est-ce qu'ils l'ont fait dans le vide ? Est-ce que ça ne correspond pas ? Mais nous, enfin, ce que je pense, c'est qu'on doit être le plus fidèle à l'image. À l'image. C'est, comme dit Patrick, l'œil du personnage quand on le voit, évidemment. Et c'est assez instantané. Quand on entend l'acteur principal nous donner une intention, il crie, ou alors peut-être ça peut être un peu trop. Ouais. Peut-être que le directeur artistique, ben, à ce moment-là, va nous dire non, là c'est trop, en français ça marche pas. Et donc on descend. D'accord. Ça doit être... En fait, il faut être vraiment disponible et se mettre au service de. C'est pas évident, hein. C'est vrai qu'il faut s'imaginer, surtout que nous on a juste la forme d'onde. Quand on le fait, on est assis, moi généralement je suis assis sur un tabouret. Ou, aussi, parce que les journées sont longues dans voilà, les jeux. Ça peut durer 8 heures et on a les yeux un peu fatigués. Complètement. Une fois j'ai eu un décollement de rétine. Sérieux ? Ouais. Ah ouais, t'as pas fatigué, ouais. T'as pas la fatigue. Voilà. Et on respire, voilà, et on fait, c'est vrai qu'on est très très vite parce qu'on a l'habitude de le faire. On sait que si on est essoufflé, on sait comment être essoufflé, on sait tout de suite interpréter une respiration dans une situation qui nous est donnée, quoi. Bien sûr. Et en tout cas, ça, on voit que tu fais ça bien, même si t'es pas joueur, tu fais ça avec passion. Et nous, les joueurs, ça nous fait plaisir. Vu qu'on est entre nous, les joueurs, évidemment, sur tous les lives, on aura des cadeaux. Et on remercie Square Enix qui nous ont offert des jeux. Alors ça, c'est la version Steelbook, mais on a des éditions Gold à vous offrir sur PC, sur PS4, sur Xbox One. Donc vraiment, on a vraiment super. Donc c'est le jeu, c'est avec le Season Pass. Donc voilà, c'est un très beau cadeau. Et pour ça, on va pas faire des concours de vitesse. Oui, parce que pensez Léo, votre modérateur, a bien bossé le truc. Enfin, j'espère qu'on n'aura pas de bug. Donc du coup, on va utiliser des mots-clés. Il suffit de les rentrer dans le chat. Et ensuite, on va tirer au sort parmi ceux qui auront envoyé la bonne réponse. Et voilà. Donc pour le premier, je le note... On va partir sur une version Xbox, voilà, et le premier, enfin non pas le premier, je suis déjà reparti sur mes concours de vitesse, il va falloir me dire le nom du vaisseau que pilote le commandant Shepard, mais pas le premier, le deuxième, celui qui passe après le premier. Alors, je vous attends sur cette réponse. J'ai oublié. Ah mais toi c'est normal, on a un cerveau en streaming, on ne peut pas retenir ce genre de truc. Bel objet. Ah, voilà, je pense que là, on a commencé à avoir les steelbooks, c'est toujours des... Ah, très bel objet. C'est toujours des beaux coffrets. J'ai des potes qui font des collections de steelbooks. Voilà, les réponses commencent à arriver. Donc là, maintenant, pas besoin de chercher sur Google. Je pense que la réponse, elle est là. Les lunettes. N'hésitez pas. Et dans 30 secondes, on fera le tirage au sort. Je laisserai penser Léo, vous dire qui sera le gagnant. Et nous, on va continuer à jouer. J'avais pas oublié. T'avais pas oublié que c'était le Normandie SR2 ouais. Bon. Ah, le SR2, si. Mais... Ah oui. Non, parce que ça, je crois qu'il y en avait un premier avant, c'était SSV ou un truc comme ça. Je suis désolé, j'ai pas fait les Mass Effect. Je suis passé à côté. Ça fait partie de ces jeux que je pense sont super. Mais comme j'ai loupé le premier, et ben, tu sais, c'est un peu comme quand tu vois que t'as la saison 8 qui est arrivée et tu dis, oh, j'ai pas vu avant. Et mais je crois que le plus intéressant, c'est le 1. Parce que, ah, le 1 ? Ouais, le 1, parce qu'il y a une tous ceux qui ont joué, parce qu'il y a vraiment. C'est pas un jeu de plateforme. Ça, il y a vraiment quelque chose de
de réflexion, de vraiment de jeu de rôle. Mm-hmm. Plus, il y a moins de, il y a beaucoup de réponses à donner par avec une réflexion que tu vois, un déplacement physique comme ça. Il paraît qu'après ça s'est développé un peu plus où on ouais, était plus sûr. Dans un mode comme ça. Mais c'était presque un jeu avec des, je me souviens de quelque chose d'assez philosophique avec des rapports, il y avait des dialogues sur la mort, la vie, enfin, tout. C'était assez. C'est réputé pour ça. Hein. C'est réputé pour ça. Alors, est-ce que Pensello, tu me confirmes que ça marche bien? C'est pas besoin de spammer, effectivement. Hop, fini, je vais tirer au sort. Donc, on va savoir qui remporte le premier jeu. On en a 5 à vous faire gagner. Voilà, ça devrait pas tarder. Alors, qui a gagné? Comment tu le sais? C'est Pensello qui va nous le dire. Ah, alors c'est Beast4940 qui a gagné le giveaway, donc on va te contacter, bravo à toi. Bravo. Et en plus, il est dédicacé par Boris. Et ça, c'est quand même classe. Eh, c'est quand même classe. Mais en tout cas, t'as le bon stylo aussi pour. Bien sûr, on a tout ce qu'il faut. Okay. Je remonte le jeu quand même parce que. C'est que c'est quand même pas rien, hein. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Donc, du coup, vous inquiétez pas, si vous voulez de la version PS4 ou PC, on aura vraiment de quoi vous en donner. Donc, il y en aura pour tout le monde. Et en plus, là, vous avez vu, on n'a pas de concours de vitesse. Et ça, c'est plutôt cool. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Ouais, c'est là, tout simplement. Tu vois, tu as pris des cours de théâtre, tu viens d'où, t'es parisien, tu... Alors, moi je suis né à Reims, j'ai fait toute ma scolarité entre Épernay, la capitale du Champagne, et Reims. Je suis même allé chez les jésuites, figure-toi. Voilà, ensuite j'ai fait une préparation commerciale ratée, je suis allé en droit, j'ai fait 4 ans de droit. Et chez les jésuites, il y avait dans le système éducatif... On faisait 4 heures de théâtre par semaine parce que j'avais choisi théâtre, mais on pouvait choisir reliure, enfin sport. Enfin, un établissement assez pionnier dans la matière. Mm-hmm. Et ensuite, j'ai raté tous mes concours en prépa. Donc souvent, on dit qu'en école de commerce, ça manque, c'est le droit. Donc je suis allé en droit, espérant rattraper une admission parallèle. Et puis je suis allé jusqu'en maîtrise que j'ai eue. Et puis là, pendant mon année de maîtrise, un ami... avait repris des cours de théâtre et j'y suis allé, puis j'ai dit ça commençait à... c'était quelque chose d'assez instinctuel, je me suis dit c'est pas possible, faut que j'essaye. Et donc maîtrise en poche, j'ai décidé je monte à Paris, voilà. Et c'est, t'as tenté ta chance. Voilà, j'ai tenté ma chance et évidemment j'ai pris des cours. Alors j'ai d'abord fait 2 ans chez Périmony et ensuite j'ai intégré l'école du studio théâtre qui est devenue une école nationale comme le conservatoire, le TNS, la rue Blanche qui à l'époque ne l'était pas, et là j'ai fait une 3e année de cours, et après je suis rentré dans la troupe pendant 2 ans, à côté de ça j'étais aussi dans une troupe d'un ami pendant 10 ans, et j'ai fait beaucoup, 10 ans, 20 ans, je jouais 38 pièces, mais je pense qu'il faut être comédien au fond, ça s'apprend, arrêtez de, surtout ne croyez pas qu'on peut faire du doublage ou des jeux vidéo comme ça, ce n'est pas possible, ça fait partie du métier de comédien. Mais comédien, c'est théâtre, on tourne, on écrit des choses, et ça, ça prend. Ah, c'est voilà. Vrai. Et ça, ne faites attention, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut vous piquer votre argent avec ça. Il y a des gens extrêmement compétents, extrêmement bienveillants, et il y a aussi énormément de gens qui jouent sur la crédulité des gens. C'est ça. Et surtout sur les espoirs ça, des jeunes. Voilà, donc faites bien attention à ça, il faut être comédien. Exactement. Pour faire ça. En tout cas, voilà, le message est passé. On en reparlera tout à l'heure comment ils voient les choses pour si ça vous plaît, pour devenir comédien. Bon, là, on reviendra dessus. Merci Netaz, hein, dernier abonné. Ça fait super plaisir. Tu continues le théâtre ou vraiment tu focuses sur le doublage ou d'autres? Tu prends les projets comme ils viennent? Non. Moi, je te dis, j'ai avec un ami, Godefroy Segal. Il a une compagnie de théâtre. Ça s'appelle la compagnie Incaoda, sous-entendu Venenum, dans la queue le venin. D'accord. Voilà. Et donc la dernière chose qu'on a joué, c'était un roman de Stendhal, La Chartreuse de Parme, qu'on jouait à 5. Pour faire la bataille d'Austerlitz de Napoléon à 5, c'est un pari. Donc ça s'apprend. Faire croire aux gens qu'on peut leur faire la bataille d'Austerlitz. À 5. C'est un délire. Ça marche bien. Donc ça, c'était il y a 2 ans et demi, et puis là, il y a moins de projets, mais non, et moi je m'éclate. Hein. Bah ouais, mais moi avec aussi. Ça, c'est pas... Non, parce qu'il y a... de monter sur scène, pour être vu, c'est pas... Moi, je veux surtout une équipe humaine, un projet qui m'intéresse, et surtout avec des gens avec une expérience... Bien sûr.
Non, mais en plus, nous, on est quand même surtout gâtés sur les rôles qu'on nous confie. On peut pas avoir se dire on a cette frustration de pas être à l'image ou voilà de passer devant la caméra parce que c'est tellement cool les projets que ils sont vraiment c'est plaisant quoi. Non, puis en doublage, on a parfois la chance de faire des rôles, enfin de doubler des acteurs extraordinaires. Bon, Jason Statham, c'est très très drôle à faire, mais bon, Joaquin Phoenix, là déjà, c'est plus torturé. Donc, et c'est vrai qu'en France, on n'aura pas forcément l'occasion, l'opportunité d'avoir à jouer ça. Donc, on le joue de toute façon, même derrière une barre de rythmo ou derrière un écran. Il faut le faire avec la même générosité que si on le faisait en. Que si on le tournait vraiment. Bien sûr. Et d'ailleurs, quel acteur t'as commencé à suivre en premier? C'était Statham ou C'est Colin Farrell. Ah ouais? Sur quoi, Fun Game le premier? Non, Tigerland. Tigerland. T'as dû kiffer quand on t'a confié un acteur comme ça. Ah ouais, ça c'était génial. C'était Julien Corin, d'ailleurs, de la Fox, qui est décédé maintenant. Et quand il a reçu le film, il a dit je ne vais pas passer d'essai, le film annonce, ça fait office d'essai. Et il m'a dit non, mais c'est toi. Ça, c'est cool. C'était... Sur des projets comme ça, c'est top. Bon. Et alors, Fun Game, là, c'était assez extraordinaire parce que le personnage est enfermé dans cette cabine téléphonique. Et moi, ayant eu la chance de voir le film avant, donc, comme tout se passe dehors, dans un studio de doublage, on nous met dans des cabanes entourées de tissus pour absorber le son, parce que quand on est dehors, le son s'en va, il ne rebondit pas contre un mur. Donc bizarrement, quand on est dehors, on est enfermé, voilà, dans le studio. Et je me suis mis dans la même situation que le personnage, j'ai pris une caisse où j'étais pas très bien assis, pour pas être trop confortable, et entre les séquences, des fois on peut sortir, voilà. Et je me suis dit, si je sors, je retrouvais l'état de disponibilité, de concentration, je vais jamais y retourner. C'est donc quand on enregistre 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, ben comme une épreuve de philo, on reste 4 heures à sa table, voilà, je suis resté là, et entre les boucles, je respirais tranquillement, j'étais disponible. Pendant que mon camarade Eric Hersant-Macarel lui doublait... Le méchant, ouais, au téléphone, ouais. Bah, qui est Stu, ben, c'est comment, 24 heures, comment il s'appelle. Kiefer Sutherland. Oui, c'est Kiefer Sutherland qui fait la voix. Et lui, il était à l'autre bout du studio et l'ingénieur du son avait réussi à nous faire en même temps. Lui, il était assis sur une chaise avec le micro tout près comme ça. Et donc, on arrivait quand même à s'entendre sans que le micro prenne. Ça, c'est cool, ça. Ah, c'était génial. Ça, c'est une très, très belle expérience. C'est énorme. Là, franchement, il y a des trucs comme ça, ou des projets dont on se rappelle parce que c'est vraiment super. La version longue d'Apocalypse Now, ça a été hallucinant. Tu l'as fait? Ah ouais, j'ai fait Chef. Ah, je sais pas. Celui qui est... je sais plus comment il s'appelle. Et du coup, il y a des castings que t'as raté, que tu regrettes en doublage? Non, mais des fois, ce qui est, alors maintenant, ça, c'est un peu, on a plus de distance, mais ce qui est toujours un petit peu, des fois, on est un peu triste parce que même si rien n'appartient à personne, mais c'est vrai, quand t'as la chance de doubler, par exemple, un acteur 25, 26 fois, et puis je sais pas pour X raison, bah, c'est pas toi qui le fais parce que. La prod ou je sais pas, a décidé que c'était pas toi. Voilà, donc c'est un petit peu. On est toujours un peu triste de pas le faire, mais généralement. C'est juste ces cas-là. Et il y a des questions très intéressantes sur le chat. Il y a une question de Wesker qui dit alors, du coup, de doubler Jiren dans Dragon Ball, ça fait quoi? Alors bon, déjà, moi, c'est pas du tout ma... Je sais que c'est mythique, mais bon, ce n'est pas du tout... Moi, je suis déjà trop vieux pour ça. Moi, c'est Capitaine Flamme et Goldorak. Moi, je suis né avec le premier manga qui est passé en France. C'est quand même classe. C'est quand même Goldorak, quand même. C'est quand même classe. Jiren, eh bien, déjà, moi, je suis content de participer à quelque chose qui est quand même... C'est mythique. C'est mythique, déjà. En plus... Il y a quand même une furieuse bande de joyeux lurons, on est tous des copains. Ça, c'est vrai. Voilà. Bon, je préfère la voix française de Son Goku que la vieille voix de la vieille bonne femme japonaise de 85 c'est pas ans. Vous, hein. Qui commence à faire. Bon, là, ça commence à se voir. Je préfère Patrick Borg. C'est ça. Ah, le copain. Le, voilà. Bon, j'oublie Jiren. D'abord, c'est difficile. Et encore, moi, j'ai un personnage qui n'est pas trop énervé. Je trouve que c'est extrêmement fatigant à faire, parce que ça hurle tout le temps, donc il faut hurler parce qu'on peut pas le reprendre en VO, et hurler à longueur de temps, parce que ça hurle beaucoup, c'est très 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 fatigant, et aussi pour les yeux, parce que comme on revient des fois sur des boucles qu'on a ratées, et qu'il y a des montages qui sont très rapides avec un enchaînement d'images, mais
D'un seul coup, quand on fait ça toute la journée, 8 heures d'affilée, ça c'est pas évident. Hein. Voilà, on peut se péter la voix et on peut aussi avoir les yeux un peu fatigués. Ouais, c'est, voilà. C'est non, sûr. Mais, c'est... Voilà, mais si jamais vous êtes méchant, je vous dis la fin. Ah oui, attention, pas de spoil, no spoil. Est-ce que je parle pour notre ami Polo, est-ce qu'on a les tweets qui peuvent s'afficher ou pas du tout? Alors n'hésitez pas à envoyer des tweets avec le hashtag StreamVF ou en taguant mon nom @DonaldRenew, on passera à l'image les tweets les plus intéressants. En tout cas, on va commencer à répondre à vos questions sur le chat, donc n'hésitez pas à en poser. Et moi je voulais savoir si toi, on a pas mal discuté, tu t'aimes beaucoup les concerts, c'est une autre passion qui te brûle comme ça que la comédie ou... Alors bizarrement, comme beaucoup de comédiens, je crois, mais ils sont toujours des grands timides. Ouais. Alors il y a deux sortes de timides, il y a ceux qui parlent beaucoup pour éviter qu'on les agresse, puis il y a ceux qui se mettent dans leur coin. Moi quand j'étais plutôt gamin, j'étais plutôt un timide dans mon coin, et je sais que le sens du rythme était quelque chose d'assez inné chez moi, et mes parents m'avaient proposé de prendre des cours de batterie juste en face de la maison. Ah, toi aussi des batteurs ? Non. Ah bon. Et j'ai dit non pas parce que je voulais pas, mais parce que j'ai eu tellement peur d'affronter le prof que j'ai pas osé. C'était maladif. Ah ouais ? Et donc si j'étais tombé sur une batterie à l'âge de 8 ans, je pense que je ne serais pas assis à côté de toi. Ah oui, carrément ? Ouais, je pense que j'aurais été musicien. Ah c'est bon, oh ça marche les autres, Gardlink, c'est ça. La première fois qu'on a la notification, j'ai presque envie de pleurer. Merci beaucoup Gardlink, ça y est on a pu le bug, c'est magnifique. Regarde là, on sait que maintenant il s'est abonné et ça fait super plaisir. Pour fêter ça, je vais dézinguer cet hélicoptère. Ah bah c'est cool, ça fait super. Donc merci Fremsodems aussi pour ton abonnement, c'est top. Ah c'est cool, ça y est, on avance les gars, on avance. Non, sinon moi les concerts, moi je j'adore ça. Ah oui, tu passes ton temps à des soirées à chaque fois à bouger, tu me dis oh, je suis allé voir un tel et toi c'est trop bien. J'aime bien les concerts, j'irai pas voir de l'électro ou du R&B. Moi j'aime bien que ça. T'es pas trop. Ça démonte. Non mais à écouter oui, mais à voir, moi j'aime bien que ça. J'aime bien m'en prendre un peu plein les oreilles quoi. Ah, tu vois là. Ouais, non, t'es plutôt quoi du coup, t'écoutes quoi? Moi j'aime bien. Tu vois, si c'est du rap, c'est Infectious Groove, tu vois, c'est de la musique, c'est du gros rock bien gras. Moi, j'ai vu le premier concert de Rage Against the Machine quand je suis arrivé à Paris, leur premier concert parisien. Ah ouais? J'y étais, ouais, j'y étais. Tu vois, Iggy Pop, tu vois, j'aime bien des trucs d'accord. Comme ça. D'accord, ok. Voilà, le jazz, j'aime beaucoup le jazz aussi, j'aime bien ça. Mais les vieux trucs, c'est mon père, ça. C'est ton père qui t'avait inculqué ça. En tout cas, ça vient de... Ça vient de tes parents pour la musique. Attends, j'essaie de comprendre où est-ce qu'il faut que j'aille. Ah oui, il faut que je descende. Ok, c'est bon. Je me rappelle. Et toi, j'ai bien fait de faire tout ça parce que alors, j'avais un peu galéré quand j'ai joué l'autre soir pour me rappeler de tout. Et, et j'aime beaucoup la communion dans un. Mais c'est pourquoi j'aime beaucoup aussi aller voir des pièces de. Tu es au théâtre, de théâtre. Ah oui, moi je vais voir. On a la chance d'avoir quand même pas mal de copains qui jouent. Ça, c'est vrai. Donc, je paye ma place. J'essaie des fois de leur demander une petite. Un tarif réduit parce que voilà, j'amène généralement pas mal de monde. Mais j'aime beaucoup aller voir les copains, et malheureusement des fois on croit qu'on a le temps, on n'a pas le temps et on les loupe. Ça c'est vrai, et ça m'est encore arrivé avec Hervé Rey qui a joué une... Ah je l'ai pas, le Shakespeare aussi, là. Toi aussi t'as pas pu le voir. Non, voilà. Mais il m'en prendre. Ah bon, bah, c'est bien. Ouais. Alors tu vois là, ces petits générateurs là. Ouais. Et ben là on vient de gagner 15 minutes. Je suis resté bloqué 15 minutes pour comprendre que c'était le levier qu'il fallait actionner en hauteur pour qu'il bug. Voilà, on a gagné 15 minutes. Hein. J'aime beaucoup aller au théâtre, j'aime beaucoup aller parce qu'il y a une expérience de groupe, mais vivante, qui n'est pas virtuelle. Ouais. Tu vois, alors moi je joue pas en réseau, mais t'as pas l'éclat de rire de la personne à côté. Alors peut-être que tu l'as dans ton casque, je sais pas, mais un rire, ça diffuse, on sent les choses qui se passent. Puis j'aime bien les univers des concerts. Le dernier que je suis allé voir, c'était... Alors, j'en ai vu plusieurs. Tu vois, je suis allé voir Christine and the Queens. Chris. Ah oui, maintenant, il faut changer de nom. Non, mais je crois que maintenant, elle accepte. Parce que mon épouse, Géraldine Asselin, qui a fait aussi beaucoup de Mass Effect et tout, était dedans. Ah bon tout. Ah ouais, elle était dedans, Géraldine, bien sûr. Donc ça c'est le genre de musique qu'elle aime, et j'étais vraiment
très beau concert. Je suis allé voir aussi Indochine parce que j'ai. Ah oui, tu m'as dit. J'étais à quatrième. J'étais à quatrième quand c'est sorti. Je suis allé voir Chaka Ponk avec ma fille. Ça, c'était formidable. Toi, j'aime bien aller voir Motorhead. Ah, c'est cool. Choses ouais. comme ça. Quoi. Et du coup, bon, je vous lis sur le chat. À quand un stream avec Kerveret, bah, moi, j'attends que. Qu'il soit libre. Une actualité forte sur le jeu, parce que c'est vrai que si on fait qu'un petit personnage dans un jeu, c'est moins facile que là. Bah, il parle à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Ah le oui, personnage, vois, c'est Zach McGowan, oui, dans Black Sails. Ah oui. Oh là, il parle vraiment comme ça. Tu fais bien les grosses voix, oui. quand même. Hein. on s'est fait plaisir avec Boris récemment sur une série. C'est Escape in Dannemora. C'était vraiment trop bien. Ton acteur que tu doubles Paul Dano. Ouais. Et puis moi, c'était Benicio del Toro. Magnifique. Voilà. Et sur Netflix. Non, c'est non. Canal. C'est Canal. Ouais. C'est Canal. Je ne la verrai pas. Tu n'es pas abonné? Non. Ah, c'est dommage. Non, il y a trop de foot. Ah oui. Non, il n'y en a plus. Bah, Selection, c'est pareil. Bon. Ah bon, non, mais... En tout cas, c'était top. On s'est éclaté. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment une série géniale. Mini-série et une histoire vraie. La plus grosse chasse à l'homme de l'histoire des États-Unis qui a coûté la plus chère. Et pourtant, c'était pas les plus grosses sérieuses. C'était pas Marilyn Manson. Hein. Non, mais c'était Manson, ça bien. Vous avez parlé de Manson. Manson Charles Manson, voilà. Exactement. Désolé, pardon. Correction. Merci Gardlink pour l'abonné, c'est cool. En tout cas, moi, c'est du coup, Escape in Dannemora, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. C'est vraiment très, ça très cool. Ça diffuse juste là. Hein. Ouais, ouais, c'est en ce moment, hein. Effectivement. Alors, mais du coup, toute la famille est rélingée dans le doublage. Oui, mon fils aussi. Le Kylian. Kylian. Ouais, Kylian, il fait la garde du Roi Lion, il fait Simba, le fils du Roi Lion, et il a fait aussi Kubo. Le personnage de Kubo, et il commence à en faire pas mal. C'est lui qui a voulu, et on ne force pas du tout. Mais voilà. Voilà, ah, Ashley cool. Williams, voilà, exactement, dans Mass Effect, Géraldine Aslan. Ils sont absolument. Là pour nous sauver et récupérer un bout de cerveau. Merci à vous. Du coup, comment on conditionne un bégaiement en doublage? C'est dans Star Wars 8. Alors, la grosse galère, parce que. Pas facile. Ah, tu mets le lift? Non, parce que c'est pas un livre, c'est des petits claquements blancs. Et Donald, il m'a dirigé et il m'a dit non, reprends. Non. Et on a, j'ai bien passé une heure sur une phrase à faire. Mais c'était génial, le résultat, il est. Et ça m'a aidé, de jouer de l'harmonica, ça m'a aidé. Ah ouais? Parce que l'harmonica, avec la langue, on tape sur les dents. Voilà. Tu m'as pas dit ça. On joue un petit peu comme ça. Tu me l'avais caché. Ouais, ouais. Tu me l'avais caché. Je vais essayer de trouver où on doit aller. Nous, on a bossé sur quoi? On a fait Terminator Renaissance, Fright Night, Dog Pound, Twilight, Bienvenue chez les Robinson, Vice Versa, Le Voyage d'Arlo et Batman vs Superman, mais quasiment jamais ensemble. Alors là, vous faites déjà Batman, faire le Joker joué par Joaquin Phoenix. Ben s'il y a comment Ben Affleck qui est dans le film, ça va être compliqué. Ça va être très dur, sauf si c'est juste un film sur le Joker, mais je sais pas du tout. Ah ouais, c'est compliqué quand c'est comme ça. J'ai eu le problème sur 21 Jump Street où j'avais Jonah Hill et Channing Tatum. Moi, c'est un choix quoi. J'ai doublé une fois Matt Damon. Alors que c'est notre ami Damien Boisseau qui le fait, mais il fait aussi et surtout aussi Edward Norton. Oui. Les deux sont dans le film. Ah oui. Donc il a fait Edward Norton et moi j'ai passé des essais et j'ai fait Matt Damon. Ah oui, c'est y a des choix comme ça à faire. Mais c'est bien quand on a des choix à faire comme ça, c'est qu'on a beaucoup de taf et que c'est voilà, cool. Et que oui, c'est déjà une chance. Alors tu sais sur Christian Bale, je précise, je l'ai fait deux fois et sinon c'est très très souvent comment. Oh. Je connais que lui. Ouais, on va nous le dire, j'imagine. Oui, quelqu'un va nous le dire. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. En plus, je ne connais que lui. Et quand ça va te revenir, t'inquiète pas, le chat va nous le dire. Valmont. Philippe Valmont. Ah, mon Philippe. Mais je t'embrasse, si tu nous regardes. C'est ça. Voilà. Et, alors, du coup, là maintenant, ça fait une bonne demi-heure, trois quarts d'heure qu'on joue. T'en penses quoi, du coup, de Just Cause? T'imaginer ça comme ça? Non, pas du tout. Mais en même temps, quand on voit, comme j'ai fait Ghost Recon, Nomad, on voit ce qu'on arrive à faire. Alors ce qui m'a frappé, c'est entre le 1, 2, et puis le dernier, c'est les progrès de l'animation en aussi peu de temps. T'as vu? C'est fou, quoi. C'est fou, hein. C'est génial. Non, mais c'est vrai que maintenant, s'il y a la suite... Ce sera, à mon avis, ce sera encore... Oui, ce sera encore. Mais en tout cas, maintenant, tu sauras à quoi t'attendre, tu pourras t'imaginer les situations, tu sauras comment ça se passe. Ouais. C'est aussi le but, voilà, c'est de pouvoir mettre les images sur le taf imaginaire. Là, c'est Arthur Pestel qu'on entend. Tu crois que ça va te donner envie de jouer ou ça reste là un petit spectacle Non, je crois que ça... Non, je crois pas... En fait, je sais pas trop.
sais pas trop. C'est vrai que j'aime les. Je suis pas très virtuel comme garçon. Parce que j'ai pas l'esprit fait pour ça. Puis je suis pas. Tu veux que je raconte ma rencontre avec ma première rencontre avec un ordinateur. Vas-y. Alors donc j'étais en droit et je suis pris informatique et liberté. Donc tous les problèmes avec la CNIL et tout ça, et on avait des travaux pratiques, et donc c'était sur un ordinateur. Donc c'était il y a très très longtemps, c'était il y a 30 ans, et on avait des grosses bécanes Apple, tu sais, les barbecues blancs, avec les disquettes en carton, qu'il fallait formater, c'était même pas en plastique. Le carton, tu sais, ça ressemblait à des gros filtres, tu sais, l'entrée de filtre pour les aspirateurs, tu vois. Oui, je vois très bien. D'abord j'ai eu du mal à formater la disquette, et ensuite je n'arrivais à rien faire, et je sais que je suis informatiquement incompatible. Et ouais, je lui ai donné un surnom à cette chose-là, là, que vous voyez qui est juste en dessous, sous les yeux, un ordinateur. Je l'ai appelé le grand étu. C'est pas faux. Et j'ai une patience réelle de 5 secondes. D'accord, oui. Alors sinon, j'ai envie de le casser. Ah, forcément. Ah, ça y est, ça marche sur Twitter. Ah. Question pour tous les deux. Nous sommes enfin en 2019. Salut, Mimi Fritsch. C'est sans doute tôt, mais je tente quand même des conventions prévues pour vous rencontrer. Oui, je ferai des annonces très prochainement sur Twitter là-dessus. Il y en a deux pour moi qui arrivent dans l'année. Après, je peux pas répondre pour toi, mais moi, j'en ai deux. Bon, on m'appelle pas. C'est vrai ? Il y a juste, à Paris Manga qui m'ont fait la... Le plaisir et l'amitié. Si tu dis ça, ils vont tous t'appeler maintenant. Voilà, donc de m'appeler pour rien. Alors, si on m'appelle, et malheureusement, des fois, je ne suis pas libre. Ah bah oui, parce que c'est parce qu'on a la chance, c'est souvent le samedi, et des fois, on a la chance de... Non, je ne dis pas, je rectifie. C'est souvent moi qui ne suis pas libre. Voilà, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de répondre. J'ai un message pendant les vacances, il faut que je réponde. Mais tu vois, on est là pour faire des... Mille pardon à tous ceux qui m'appellent pour les conventions. C'est vrai que souvent, si vous m'appelez, et c'est vrai que souvent je suis pas libre. Et celle où j'ai pu venir, pardon, c'était Paris Manga. Bah voilà. Maintenant, on le saura. Attends, moyenne... Non, moi, quand je peux, je viens. Bah oui, voilà. C'est cool en tout cas que ça le place de pouvoir rencontrer le public qui te kiffe sur les différents rôles que tu peux faire. Là, c'est mieux. Attends, que le menu grappin, R2. Attends, pourtant je l'ai fait. Modifier équipement vide, pourtant je l'ai fait ça. Alcon auto, ah, voilà, c'est ça, ok. Voilà. Dans quel hit de jeu vidéo, non, vous entendez en 2019, un jeu déjà enregistré ou un projet, donc vous avez déjà contacté ou sur le doublage. C'est bon. Bah, c'est-à-dire souvent maintenant il y a de plus en plus de clauses de confidentialité, donc tant que c'est pas sorti, on peut pas en parler. C'est ça. Bah là par exemple pour Dragon Ball, j'ai vérifié que c'était bien sur internet avant d'en parler, pas de faire de leak, c'est hyper important. Voilà. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait gagner de jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. On a donc plein de jeux à vous offrir. Merci Square Enix. On va faire gagner une version PS4, toujours en édition Gold avec le Season Pass. C'est Pensez Léo comme d'habitude qui va se charger du concours et on en a parlé, c'était un kiff, on a fait ça très récemment avec Benicio Del Toro. Le mot clé cette fois-ci ce sera Escape in Dannemora, peu importe l'orthographe. Je crois qu'il y a deux N ou un N, bon voilà. Je crois qu'il y a deux N. Hein. Donc faites le mot clé et on va vous tirer au sort, pas de concours de rapidité, donc ça devrait être plus tranquille que le live précédent. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Exactement. Exact. Allez, c'est bon. Twitter, Miziarak. Hello, Miziarak. Que pense Boris de la performance de Christian Bale dans Terminator Renaissance ? Oh ben, c'est pas juste la performance de Christian Bale. Juste Christian Bale, c'est juste. C'est du lourd. Pour moi, c'est un des plus grands acteurs du monde. Moi, je l'avais fait dans un rôle où il était un autiste, mathématicien, une histoire vraie, où il fait. C'est lui qui prévoit la crise des subprimes et tout ça. Il était On l'a doublé ensemble, je crois. C'est des... le Big Short. The Big Short. On a fait, voilà. Moi, je faisais un des nerds, mais comme d'hab, on peut pas bosser ensemble. Donc, voilà. Mais on n'a pas forcément enregistré ensemble. Voilà. Mais il est formidable. J'avais aussi fait un road movie il y a longtemps par le réalisateur de Training Day avec lui. C'est la première fois que j'avais fait. Là, il était complètement fou. Il faisait un soldat de l'Afghanistan. Qui avait des syndromes post-traumatiques très 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 lourds. Il était mais Christian Bale, c'est la même famille d'acteurs pour moi que Joaquin Phoenix, que Tom Hardy. Ce sont des... Non, bah, ce sont les, pour moi, c'est le plus grand acteur du monde.
On se croit un petit peu, tu n'as pas beaucoup de parler, toi, mais dans Metal Gear, le dernier Phantom Pain, où on fait échapper des jeeps avec des ballons. Mais je pense que tu vas pas avoir la référence, ça va pas beaucoup te parler. Non. Non, non, mais c'est ça qui est drôle. C'est des énormes. Tu peux te moquer de moi comme ça. Tu sais qu'après cette mission, c'est le moment où on va te faire jouer. Tu le sais, ça. T'as vu un petit peu le training. Ouais. T'as vu un peu à quoi ça ressemble, Just Cause. Maintenant, on va te faire tester. Ouais. Passons culture. votre fils était très bon dans Kubo et l'armure magique, la tour sombre et The Good Doctor, le digne fils de son père. Oh, sinon, j'aime votre performance en le chapeauté. Mais je vous remercie beaucoup. Ah, c'est cool. C'est super cool cette petite interaction avec Twitter. Là, je kiffe. Là, ça se met en place là, pour cette deuxième. Je pense qu'on va vraiment se faire plaisir tout au long de la saison. Là. Il y a aussi un personnage de dessin animé que. Film d'animation que j'adore faire, c'est King Julian. Ah, mais évidemment. Alors, moi, je fais la voix la plus con du monde. Moi, je fais Morty. Morty, parle comme ça. Et toi, tu fais quoi? Et j'ai dit Morty, j'ai dit pour les petits ou pas? Oh, c'est énorme. J'adore comment tu joues Morty. Vas-y, fais-moi jouer. Oh, Morty, fais n'importe quoi là. Ils sont pas gentils. Ils n'ont pas été sages. Et j'étais payé pour faire ça. Hein. Moi aussi. C'était énorme. Mais qu'on a pu rigoler là-dessus. Qu'on a pu rire. Ouais. T'en as fait pas mal au final des Dreamworks. Hein. Ouais. T'as chapeauté en film, la série. D'ailleurs, sur la série, t'étais avec Adeline Chetel, qui faisait Adeline Cinéa. Oui. On en a parlé tout à l'heure sur Twitter. Il y a un autre film que j'ai fait pour eux qui était un film avec le Père Noël, le lapin de Pâques, et moi je faisais le croque-mitaine. Ah bon sang! Oh, c'est fou de ne pas avoir de. C'est vrai qu'on a une mémoire. Ah non, mémoire en carton, en streaming. Ouais, exactement, sinon on ne peut pas tout retenir. Pourtant, un formidable film d'animation. Et. John Frost, c'est ça c'est les titres français. Heureusement qu'on a Polo pour nous aider. Les titres français, c'était quoi? Moi, je crois que je vais prendre une moto. Ah, bien, alors ça c'était formidable. Wesker nous demande comment fonctionnent les contrats de confidentialité dans le jeu vidéo. Voilà, on signe un papier où on dit qu'on ne doit rien dire. C'est ça. Ni sur le jeu, ni sur rien, et encore rien. Et même si déjà on parle de rien, c'est déjà beaucoup. C'est pas grand chose, mais c'est déjà quelque chose, comme dirait Raymond DeVos. Et sinon, on peut avoir de gros problèmes, parce que vous imaginez bien que des grosses sociétés comme Ubisoft, entre autres, par exemple, elles ont des moyens juridiques et financiers. Grosso merdo, je suis obligé de vendre ma maison et de faire travailler mes enfants jusqu'au bout. Ce qui serait un petit peu dommage. Voilà. Ce qui serait un peu dommage. J'avais une question, mais bon, je connais d'avance la réponse. Vas-y. Tu préfères bosser seul en studio ou tu préfères être avec un partenaire et discuter ensemble? Non, je préfère avec les copains. Alors que moi, c'est le contraire. J'adore bosser seul pour être ultra concentré. C'est chelou, hein? Ouais, d'ailleurs, je suis désolé de t'avoir déconcentré sur... Ouais, mais là, on est entre potes, c'est pas pareil, tu vois ce que je veux dire. Ah, Tagata, là. Ouais, non, Escape Edamora, non, ouais, non. C'était énorme. Je suis désolé de t'avoir dérangé, Oda. Non. Peux-tu annoncer Léo la gagnante? Pensez Léo, est-ce que tu peux me le redonner? Parce que j'ai pas suivi, j'étais en train de jouer. Mais voilà, mais ce que j'allais dire, c'est que moi, je préfère être seul la plupart du temps. Oui, Gear Game, est-ce que... Attends, je suis en train de mourir en même temps, c'est un peu compliqué. Vas-y, meurs, vas-y, lis le tweet. Alors. Bonsoir, est-ce que vos relations avec des directeurs artistiques peuvent être difficiles parfois? Moi j'ai envie de dire qu'il m'est quasiment jamais arrivé, mais d'avoir des... Attends, je te coupe. Alphazi78 qui a gagné le jeu sur PS4, je le note de suite dès que j'arrive à la fin de la mission. Alphazi 78. Voilà, je te laisse continuer. Tu veux que je note? S'il te plaît, merci, on a une assistante. Oh là là. Alors, je suis mort. C'est vas-y. Dur. Donc du coup, tu disais que les relations avec les DA... Alors non, ce qui peut compliquer une relation avec un DA, c'est la difficulté de ce qu'on a à faire. Ouais. La difficulté du film à doubler. Ouais. Quand il faut se mettre vraiment dans des états assez compliqués, donc on peut à un moment... On se livre quand on le fait vraiment, comme dit Patrick Poivet, un de nos papas. Tout à fait. C'est que faut y aller avec sincérité, on y va, donc on mouille sa chemise. Exactement. Et forcément on se livre un peu, donc on ne se surveille pas, et des fois on peut être un peu à fleur de peau, et peut-être quand on n'arrive pas à avoir un coup de sang, s'énerver, surtout contre soi. Ah oui. Et ça peut être mal interprété, parce que par exemple un ingé son qui nous voit pas souvent est de dos, puis on fait « Ah merde, bordel !» un truc comme ça, et puis il fait « Remets la voix s'il te plaît !» Et il dit « Tu me parles autrement ?» Je fais « Mille pardons, c'est pas toi, parce qu'on reste, mais oui. On reste dans l'énergie de la scène ou dans la difficulté, mais je vois pas... Alors après, il y a des gens avec qui des fois on s'entend plus, mais moi franchement, tous les gens avec qui me dirigent, qui m'appellent,
Ça se passe toujours, toujours ouais, très bien. Parce qu'on dit. Patte. On sait oui, très bien. Puis on dit jouer, puis on sait que moi, si jamais j'ai un. Je fais. Bon, ça va durer 5 secondes. Puis c'est après, vrai. Puis après, je dis pardon. Je dis, je suis désolé, mille pardons. Puis on sait que t'es un râleur parce que t'aimes bien faire. Oui, parce que je veux. Tu veux bien faire. Je veux bien faire, quoi. Et ça, c'est aussi une grande qualité. Ça va être compliqué pour moi de dire le chat et de te dire ces 53 secondes. Vas-y, prends la question que tu veux sur le chat. C'est toi qui décides. Eh, yo, / StreamVF, d'accord. Coco Echo. Alors, vous préférez doubler quel type de personnage? Des méchants, des gentils, des caricatures. Moi, j'aime doubler. Oh merde, je suis mort. Oh, fais chier, restez trop. Ouais, mais non, mais t'es allé loin là, quand même. Ah ouais, mais c'est dommage, je suis pas mort quand je joue à la maison. T'es pas obligé de tout refaire. Ouais. Non, c'est sauvegardé, tu es obligé de tout oui, refaire. Oui, ah oui, non, ah on bon. Recommence pas dans la neige. D'accord. Mec, est très au courant et très doué. Ouais. Non, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup. Oui, les méchants, ça c'est formidable. Ça, c'est vraiment formidable à faire, même dans le jeu. Mais des personnages, à partir du moment où il y a des belles situations de bien écrites, et puis qu'il y a aussi, on a la chance d'avoir aussi des très bons auteurs qui nous font aussi, parce que si, ça faut parler de ça, parce que si il n'y a pas un très bon auteur qui va bien adapter le texte, qui va faire correspondre les labiales ce ouais. sont les MBP, les demi-labiales, les V, les F, c'est ça qui fait qu'un texte est synchrone. J'ai trouvé un joujou. T'as trouvé un gros joujou, hein. Bah oui, t'aimes bien les gros joujoux. Ah, j'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime bien les gros joujoux. Ah oui, moi donne un cas, oui. Les gratounes, il aime bien les gratounes. Et T'étais sur les labiales, voilà. Et donc si on... Et un texte original, il en a aussi. Alors, il faut que à la dixième de seconde près, que cette ouverture, fermeture de bouche ouais. corresponde exactement avec le texte français quand ça passe devant la barre de rythme avec ce texte qui défile. Et après, il faut aussi que ce soit dans le style du film. C'est sûr que si vous doublez Versailles, vous ne parlez pas de la même façon que si on double Jason Statham ou Peaky Blinders. C'est pas la même chose. Et quand tout ça est bien fait, et quand on a aussi un super ingé son qui va vous suivre, il vous écoute. C'est-à-dire que vraiment, si le personnage hurle, il va être là, il va vous suivre. Il sait également que le personnage va hurler, donc il sait que vous allez hurler, il sait quelle puissance vocale vous allez donner. Ouais, c'est vrai. Et donc, il vous suit. Et puis après, généralement, avec maintenant le matos informatique, ils peuvent remonter en direct quelque chose qu'on a fait. Ils font même du montage tout de suite. Et aussi avec un super directeur ou directrice de plateau. Parce que même avec toute cette expérience, on ne peut pas tout voir parce qu'on a le nez comme ça dedans. Et d'avoir un avis extérieur est toujours extrêmement précieux. Parce que aussi, ça peut aussi nous faire aller plus loin. Ah bah ça, c'est complètement vrai. Je salue Monsieur de la Fox. Et il a le poteau qui est venu nous soutenir. T'as kiffé quand on t'a dit que t'allais doubler Batman? Ah j'étais très content. De toute façon, je suis toujours extrêmement ravi oui. quand le téléphone sonne ou qu'un SMS arrive en disant d'accord. Maurice, est-ce que tu es libre entre telle date et telle date? Et je dis oui, mais on sait rarement on nous dit jamais pourquoi c'est. C'est assez rare. C'est très rare. Il y a quelques exceptions. Non, j'ai comme on nous dit tiens, il y a un Colin Farrell qui arrive ou il y a un Jason Statham qui arrive, donc là on sait. Ouais. Mais la plupart du temps... C'est surprise, c'est Kinder Surprise du doublage. Exactement. Et c'est ça. Je suis quand même très admiratif de la vélocité avec laquelle tu te déplaces, tu sautes. Bah là, il était temps d'arrêter de mourir parce que c'était assez dommage. Puis je vois la rapidité des petits doigts. Mais dommage qu'on n'ait pas zoom. Mais non, on va pas. Oh là, c'est une zone grosse. Attends, ça sent le l'hélicoptère là, 18 secondes, c'est pas le moment de mourir. Mais vas-y, allez. Allez, pousse petit vent. Attends, on va regarder ça. J'essaie de suivre en même temps si je loupe rien. Oh oui, non, lui, il a tué. Ah oui, non, il a tué. Là, il faut faire une grosse bombe. Là, en fait, je peux mettre un petit headshot, c'est bon. Il a pris tarif. Lui aussi, il a pris tarif. C'est bon. Allez, une seconde. C'est bon, objectif rempli. C'est magnifique. Ah. Tu sais qu'on va arriver au moment où tu vas tester. On a une question d'Arun. Quel est le rôle de rêve de Boris et de toi dans la radio? Bon, moi, je l'ai toujours dit, hein, c'est de conserver Spider-Man, mais bon, c'est pas forcément ce qui va se passer. Mon rêve, moi, c'est de continuer à faire ça aussi souvent que je le fais jusqu'à la caisse en sapin. Eh ben on est bien d'accord. Voilà. Alors évidemment oui c'est mais le rôle que je ferai aussi
mais dont je rêve, mais si ça arrive, tant mieux, ça arrive pas, c'est tant pis, mais c'est bon, un super rôle. Mais des super projets, que ce soit en doublage, que ce soit au théâtre ou que ce soit en tournage, parce que j'ai eu la chance de tourner aussi, et c'est vrai que c'est une expérience qui est très... un exercice complètement différent. C'est pas évident. Non, c'est les techniques qui sont différentes, mais le plus petit dénominateur commun, c'est la sincérité. Je suis bien d'accord. Et la sincérité, c'est, on revient à ce qu'on disait pour être comédien, c'est que ça se travaille. Dans la vie, vous pouvez être très en colère très vite et vous serez juste parce que c'est votre colère, la vôtre. Mais il faut la refaire, quand on joue, il faut la refaire et au service d'un texte et d'un univers qui n'est pas votre vie. Donc c'est ça, le qui est très compliqué, c'est de recréer des choses vraies. Et c'est ça ce qu'on appelle la sincérité. Quelque part, il faut être un menteur, mais un menteur sincère. Ah, c'est beau, on l'a dit en même temps. C'est un oxymore, c'est comme un clair-obscur. Ben, un menteur sincère, je crois que c'est vraiment... c'est vraiment pour moi, c'est l'acteur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'était beau ce que tu as dit. Alors tu vois, la touche L1, c'est pour faire le grappin. Ça avance plus vite, je te le dis, parce que comme c'est le moment où je vais passer la manette. L1, ici. Ah oui, on en est là, c'est vrai que L1, c'est ici. L1, L2, R1, R2. D'accord. Après, t'as les touches qui sont là. Pour tirer, t'appuies sur R2. Ouais. Et mais bon, là, je vais juste te faire attendre. Le doublage complet d'un film se compte en combien de jours, semaines, mois? C'est en quelques jours. Ça se passe. Attends, je vais t'amener à la mission. Ouais, vas-y, c'est plus simple. Ça se passe en quelques jours, la plupart du temps. Et quand c'est des très gros jeux qui demandent beaucoup de temps, c'est en semaines. Mais je voulais te prendre ton hum-hum, mais il n'a pas voulu se le laisser apprendre. C'est souvent, la plupart du temps, quelques jours, quelques heures. Généralement, c'est pas plus long que ça, je sais pas ce que... Bah, les films cinéma qui sortent au cinéma, qu'on appelle les 35, parce qu'avant c'était en pellicule, il y avait le 8 mm, les pellicules faisaient 8 mm, les pellicules faisaient 16 mm, 35 mm, et les très très gros films en cinémascope parfois faisaient 70 mm. D'ailleurs, c'est souvent des rééditions maintenant en 70 mm. Absolument. Hein. Et la pellicule donnait une profondeur de champ, c'est-à-dire ce grain... souvent, quand on regarde par exemple la télévision, l'image est très lisse, lissée. Les lumières sont, les blancs sont très blancs, les bleus sont très bleus. Donc, on a un peu, ce que je dis, moi, une image vidéo, même au cinéma. Et la pellicule, donc les films cinéma, on dit toujours dans le jargon, on appelle ça des 35. Généralement, ça se double sur une semaine, du lundi au samedi, avec petit rôle compris. C'est ça, hein, c'est ça, ouais, c'est ça. Certains films qui sont exceptionnels, comme des films de Spielberg, où ça peut s'étaler sur deux semaines. Même trois parfois, mais ça devient de plus en plus rare. Oui. Et sinon, même des films cinéma, mais qui ne sortent qu'en vidéo ou maintenant sur les plateformes, c'est trois jours, quoi. Ouais, c'est vrai. Trois jours, voire quatre. Et parfois, c'est même, quand c'est vraiment des tout petits films et tout ça, ça se fait sur deux jours et demi, quoi. C'est ça. Et on demande sur le chat si t'as aimé doubler Shepard. Alors Shepard, c'était genre, comme il y avait très peu d'animatique et de choses sensing et tout ça, il n'y en avait pas trop. Et qu'il était toujours très posé Shepard. Il a un peu cette voix-là, comme bonjour commandant Shepard du Normandie. C'est vrai. Voilà. Et que comme il maîtrise beaucoup, il y avait... très peu de hurlements, donc déjà c'est très plaisant parce qu'il n'y a rien de pire que d'hurler toute la journée. Ça c'est sûr. Et c'est un métier aussi de savoir respirer pour ne pas se casser la voix, parce que sinon on peut très vite se casser la voix. Je vois très bien de quoi tu parles. Hein, surtout les films de guerre, avec les Call of Duty, les trucs comme ça. C'est difficile. C'est compliqué. C'est difficile. Et non, j'ai beaucoup aimé parce qu'en même temps il y avait des dialogues qui étaient très intéressants, qui étaient très chouettes. Et donc ça c'était plaisant. Et comme la voix originale, la voix américaine, était... franchement, c'était pas bien. Ah ouais? Ah non, c'était pas bien du tout. C'était un peu, en même temps, toujours la même chose. Celle qui faisait le commandant Shepard en femme, le doublage était vraiment bien. Et donc, avec le client et tout ça, en fait, on n'écoutait pas. On n'écoutait pas, donc on y avait toutes les phrases. Rien, en même temps, c'était assez lié, donc on enchaînait. Donc là, c'est ce qui était agréable, c'est qu'il y avait un certain rythme. Moi, j'aime bien quand il y a du rythme, quoi, ça va vite. Quand ça prend trop de temps, on s'endort. Ouais, c'est clair. Et c'était très, très plaisant. C'était très plaisant à faire. Et on enregistrait beaucoup. Je devais tourner à 11 000 mots jour.
Ah ouais, quand même. Ça commence à faire. En parlant, on dit le mot jour, on parle d'un jeu. On va encore vous faire gagner un jeu. Cette fois-ci, on va être sur PC. Le même, c'est en version gold. On là, c'est Steelbook, mais la version. Je sais, mais on remonte quand même que c'est Just Cause. Qui sera dédicacé, à chaque fois dédicacé par Boris. Le jeu en version gold, cette fois, ce sera sur PC. T'as bossé sur le chapeauté. On va en parler après des Star Talent, mais t'as bossé avec Virginie et Fira. Un bonheur, c'est sûr. Je me suis dit, j'espère qu'il va dire du bien. Ah non, c'est... Non mais les Belges, donc mais forcément... Oui, elle est très cool. Du coup, le mot-clé, ce sera Virginie et Fira. Vous avez une minute pour mettre le mot-clé sur le, avec deux F et Fira sur le chat. Et on pense que Léo va pouvoir vous tirer au sort. Et on a dit tout à l'heure, Boris ne va pas y échapper. Il va jouer à son propre jeu. Il va se faire l'auto-immersion. Rico Rodriguez joue à Rico Rodriguez. C'est maintenant et on va lui poser. Alors, regardez bien, alors, vous ne le verrez pas deux fois. Attention. Il a la manette en main. Alors, je vais vous dire, c'est la première fois de ma vie que je tiens ça. C'est propre. Alors, on ne rit pas en régie, s'il vous plaît. Non, attention. Alors, tu m'as dit L1, c'est quoi? On saute. L1, c'est le grappin. C'est le grappin. Quand tu sautes, c'est avec croix et tu remets croix pour mettre le parachute. Et alors là, tu vois le petit losange bleu là-haut? Faut qu'il y aille. Et ben, il faut que tu y ailles. Donc, il faut que tu y ailles. La manette, c'est quoi ça? Alors, ça, c'est pour te diriger. Ça, c'est la caméra. Ah, oui, d'accord. D'accord. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, c'est très sensible, dis donc. Ah, bah oui. Alors, en plus, t'es en vision inversée. Ce que je joue en vision inversée. Le parachute, inversée. Il est où? C'est. Tu appuies deux fois sur croix. Deux fois? Ouais. Ah, vas-y, avance, je vais t'aider. Attends, hop, saute, rappuie. Oui, il fallait pas appuyer. Bon, regarde, je m'en fous, j'y vais. Alors, toi, regarde, j'adore nager. Et donc, je nage beaucoup. Alors, je te coupe. Voilà. Varys Matra a gagné la version PC. Je vais le noter, histoire de ne pas me tromper. Alors. Bravo à toi, ça fait super plaisir. Et j'enchaîne, décidément, ça ne s'arrête pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, tu parles comme King Julian. alors, où est-ce que je vais là-haut. Et il faut que tu mettes ton grappin sur les points hauteur et t'appuies une fois sur L1. L1, alors, d'accord. Hop, PS4. Ah ouais, L1, d'accord. PC, nickel. Ça c'est L1, c'est là. Exactement. Alors, attends, on a un tweet intéressant. Je tire. Boris, comment se passe ta relation avec Jean-Pierre Michel, notamment en raison de votre lien commun avec Ben Affleck? Très bonne question. Appuie une fois sur L1. Oui, il l'a fait. Oh la vache. C'est beau. Vas-y, maintenant tu continues comme attends, il faut que... Voilà. T'as vu la difficulté de parler, de jouer en même temps? Tu t'en sors très très bien. Comment ça se passe avec Jean-Pierre sur Ben Affleck? Vous le partagez, c'est bon enfant? Faut que je m'en aille parce qu'on me tire dessus. Ouais. Alors, mais hop, et comment je fais? Faut que tu continues à monter. Ouais, mais alors comment je fais? Attends, si tu veux, je vais te le faire pour pas mourir. Voilà. C'est quoi le ballon là? Ah oui, tu vois, je sais, tu vois la caméra tout, je sais pas faire. Je vais te le faire tranquillement. Donc ouais, tu veux pas en penser alors, avec alors, Jean-Pierre alors, ouais. Jean-Pierre déjà c'est un copain déjà. Et la première fois que j'ai doublé Ben Affleck c'était sur un film avec c'était Dogma. Ah oui. C'est la première fois et je ne savais pas du tout qu'il était doublé par Jean-Pierre. D'accord. On me l'avait pas dit du tout. Je savais pas, je commençais et voilà, après il y a eu des essais, il y a eu en fonction mais je sais pas où je vais. C'est pas grave, visionne le losange, il doit derrière. Tac. Voilà, alors je grimpe, comment on monte? J'ai un respect immense pour Jean-Pierre, à chaque fois qu'il ouvre la bouche quand on est en studio ensemble, j'écoute tellement, j'aime beaucoup. Cool, non, et puis il faut surtout, faut pas oublier que Jean-Pierre Michel, grand acteur de théâtre, comédie française, Tu arrives? Ouais, j'y arrive. C'est bien, tu t'en sors bien. Je sais pas où je vais. On va te poser, je vais te poser les 10 questions. Alors non, Jean-Pierre, donc voilà. Vas-y. Et je sais pas, peut-être, je pense que. Vise-le et tu tires avec R2. Oh oui! Oh le lance-grenade que tu lui as mis! Ouais, attends. Oh le gars, il comprend rien. C'est derrière maintenant, faut que tu retournes derrière. Ah, bon, je retourne derrière, faut que je remonte. Bouge la caméra. Ah, je bouge la caméra. Hop, et tu vois, mais hop, je sais plus. Voilà. Faut que je monte l'escalier? Ouais. Oh là là! Tu vas y arriver. C'est bien. Ta fille est en train de me regarder, elle se fend la gueule. C'est ma fille assiste à l'enregistrement. Ouais, derrière enfin, l'enregistrement. C'est pas l'enregistrement d'ailleurs. Mais je la vois qui pouffe. C'est ça. Je sens Eva pouffer. C'est rigolo. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Non, alors non, sinon avec Jean-Pierre, j'ai énormément d'admiration pour cet acteur. Là-bas, hier, il y avait un film, il y avait Ronin. Ouais. Il y avait Ronin et il le doublait. C'était. Oh merde. Tu t'en sors très bien. Mais oui. Je sais pas où je vais. Là, il faut récupérer le treuil. Alors, il est où le treuil? Regarde avec la caméra, voilà. À droite.
Voilà, faut. Là, il est dans la caisse en fait. La caisse verte. Il y a une caisse verte. Ouais, là à droite du truc rouge. Ah, d'accord. Voilà. Tu te mets à côté, il faut appuyer sur triangle. Mais avance un petit peu, tant qu'il te l'affiche pas, ça ne marche pas. Faut que tu le contournes, je pense. Voilà. Parfait, ah, nickel. Tiens. Jean-Pierre et tout. Vas-y. Et voilà, mais dans d'autres, à mon avis, dans d'autres, pour d'autres majors américaines, c'est lui qui doit le doubler. Là, c'était quelle licence Batman c'était quel C'était Warner. C'est Warner. Ouais. Je suis désolé, j'ai loupé la question d'Hugo là de Twitter. Est-ce que tu peux me la rafficher ou pas? Alors, pas trop dur de doubler des films de Lanthimos et Lobster mis à mort. Ah la vache. Alors ça, c'est ah si, ça c'est très Lobster non parce que c'était mais la mise à mort du cerf sacré là, c'était on est un peu nauséeux, tu sais, quand tu termines le film, c'est extrêmement complètement barge, moi alors ce genre de film j'aime beaucoup, mais ça m'étonne pas. Non mais j'aime bien un bon Chardy un dimanche soir, moi ça me plaît beaucoup, hein. Moi je regarde pas que des trucs d'arrêt d'essai, non moi j'aime bien, tu vois j'ai regardé The Amazing Spider-Man hier. Ah tu l'as vu? Ouais t'es repassé, oui. J'ai passé ma soirée avec toi. Ah c'est ça, hein, il est avec Jean-Pierre Michael aussi dans Ronin. Tout à fait. Voilà et non ça c'est difficile des films comme ça parce qu'en plus le réalisateur il même en original, ils ont un phrasé un petit peu, ce que j'appelle nouvelle vague, un peu ouvert, tu sais. Mmh. Il n'y a pas tout le temps de points, il faut essayer de retrouver, sans prendre la musique de l'anglais. Mais c'est... à doubler, c'est très difficile. C'est très difficile, et donc c'est très intéressant. Évidemment. Bon, voilà. On va arriver à l'ULM, je vais te laisser. Et pendant que tu vas faire ton vol en ULM, je vais te poser les fameuses 10 questions qu'on posera à chaque invité. Alors mets-toi à côté. Oh, c'est joli ce que tu as fait là. C'est bien là, mais c'est bien là. Mets-toi à côté de l'ULM. Je tourne la caméra. Voilà, et tu te mets dessus. Voilà. Je me mets pour dessus. Pour accélérer, vas-y, va vers la... Hop, je saute. On va y arriver. Je saute. Hop. Et... À côté, triangle, voilà. Et alors pour accélérer, c'est la gâchette de droite. La gâchette de droite. Et maintenant tu accélères. Alors attention. Là je me dirige comment? Avec le joystick de gauche, d'accord? Je te pose 10 questions, ouais. Tu dois répondre avec quelques mots maximum. Ok, pendant que je joue. Voilà, pendant que tu joues, ok? Est-ce que tu as déjà eu une console? Non. Oui. Et laquelle? La première, tu sais, celle avec où on jouait le tennis. La Pong, ok, d'accord. Et ça te plaît de bosser sur un jeu vidéo? Ça dépend lesquels. Est-ce que tu crois qu'après ça, ça pourrait te donner l'envie de te mettre à jouer? Je suis pas sûr en fait là. Non, je crois pas. Ton acteur fétiche que tu doubles? Colin Farrell et Jason Statham. Comment on recule? Je crois que c'est mort. Ah, vas-y, on va finir. Combien d'années de carrière tu as? Ça va pas loin de 25. Ah, c'est beau. Super Nintendo ou Mega Drive? C'est quoi? Super Nintendo ou Mega Drive? C'est quoi ça? Oh non, si non, t'en es là. Non, mais Super Nintendo ou Mega Drive. Allez, c'est la fin de ce stream, VF. C'est quoi? Ah, le petit gars avec la blouse là. Ah ouais, c'est dur là. Ok, laisse-le voilà. Tomber. Non, mais si. Alors moi j'aime beaucoup, mais la version. Mario? Comment, non, mais j'aime beaucoup la version, comment il s'appelle, tu sais. J'avais dit des phrases courtes. Attends, c'est ton n'importe quoi qu'on dit à n'importe qui. Ah oui, Rémi Gaillard. Rémi Gaillard. Je vais sortir de ce guépier. Tourner, maintenir, mais comment on fait? Le mec, il nous a sorti. Qu'est-ce qu'on fait là? Attends, je vais refaire le dernier checkpoint, c'est pas possible. Recommencer l'objectif. Il arrive à se planter là, c'est pas possible. Même les créateurs du jeu, les développeurs, ils ont dit c'est mort, on va jamais. C'est bon, ça va passer. Vas-y, on finit. Vas-y. Attends, si on en était à Super Nintendo Mega Drive, t'as pas de réponse, alors celle d'après, tu vas rigoler. Ouais. T'es plutôt PUBG ou LOL? LOL, c'est Lots of Love, c'est ça? Non, c'est un jeu de stratégie. Mais je savais, c'était pour rigoler, j'ai mis ça. Allez, vas-y, cette fois, tu vas y arriver et tu vas avancer. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Ah oui. Qui a tiré le premier? Han Solo ou Chasseur de Primes? Han Solo. Oh. Et dernière question, et pas des moindres, est-ce que tu retournes Gotaga sur Fortnite? C'est qui? C'est le leader, et je pense que... Ah, c'est là où on est? Oui. C'est... Alors là... Je pense que tu risques de prendre quelques petits fracs dans la tête. Mais, ah non, mais il va retourner au même endroit, c'est exceptionnel. C'est énorme. Non, n'empêche, moi j'ai eu la chance de voir là où ça se passe. Mm. C'est Star Trek. Hein. Ah bah oui, c'est là, moi je suis dans l'Enterprise. Là c'est je ça. Suis. Non, alors oui, alors j'ai. Tiens, à toi. Ah non, vas-y. Non, t'es bien, cousin. Regarde. Mais on peut plus, tu l'as brisé. Non, là c'est toi, c'est pas moi. C'est ça, ouais. Non, mais regarde ça, le truc, il est en feu. Alors là, bon, je vais le faire tout seul, ce truc. Magnifique. C'est énorme. Je te jure, je vais recommencer l'objectif. Ah, c'est énorme. Non, vas-y, montre. Mais c'est hyper sensible, faut vraiment avoir l'habitude. Ah oui, c'est clair. Moi, j'aimerais que ce soit un peu plus, tu sais, un peu plus vieille voiture, c'est avec une direction un peu plus. Là, tu fais ça, tu. Bon, alors du coup, tu vas pas te mettre à Fortnite, c'est mort.
Non, je crois pas. Non. Tu vas être le Bambi. Mais en revanche, je vais retourner à côté de mon fils et puis lui dire « Ah, là, t'as oublié d'aller voir ça. Ouais, » c'est voilà. Ça. Non, j'aime bien jouer avec mon fils parce que lui, il sait comment fonctionne la manette. Ouais. Et moi, j'aime bien réfléchir avec lui pour progresser. Ouais. C'est cool. Ça fait longtemps que je m'étais pas marré comme ça. Ah bah ça me fait plaisir. Bon, je suis désolé, vous verrez. On va faire gagner un autre jeu cette fois-ci, ça va être sur Xbox. C'était exceptionnel. Et Patrick, il est fort aussi, oui, il est comme moi. Non, Patrick, je suis pas allé jusqu'au bout, je l'ai pas fait jouer. Je savais qu'on allait dans le mur. Je pensais pas qu'on allait dans le mur avec toi, mais là on est allé dans le mur. Tu as déjà rencontré Jason Statham ? Non. Non, jamais. Non. Et bien justement, ça tombe bien parce que le mot-clé pour gagner le prochain jeu Xbox, toujours en version Gold, c'est le mot Jason Statham. Vous avez une minute pour l'envoyer, le mot. Je suis vraiment un boulet. Mais c'était drôle. Mais je savais qu'on allait dans le mur, mais c'est drôle. Ah, c'est énorme. Ah là là, tu me fais délirer. Allez, ça y est, c'est parti. On voit les premiers Jason Statham. C'est assez drôle dans le chat, tu vois. Tout le monde va dire Jason Statham. C'est énorme. Oh la vache. Ah oui, il y en a un. Hein. C'est drôle. Allez, c'est parti. Il y a sa tweet dans tous les sens. Cher Boris, tu as déjà rencontré Jason Statham ? On a répondu à la question. C'était TheV3 qui posait cette question. Merci en tout cas de nous envoyer vos tweets. Ça fait super plaisir de pouvoir discuter avec vous. Ah oui, c'est vachement bien. C'est de la ballonnette. Hop, je vais essayer de me poser. J'ai dit essayez. Et pourtant, j'étais pas mauvais sur Pilot Wings. Hein. Tu sais quoi ? Ouais, voilà, un petit coup de parachute. C'est parfois plus simple de le faire comme ça. Est-ce que tu peux faire parachute et grappin pour Et c'est ce que je fais. Regarde, tu crois que j'avance comment là, tout seul? Ça se fait comme ça? Non mais je sais, mais tu pousses les éléments, mais est-ce que tu peux faire en même temps tête? Et puis tu fais un grappin et pour te faire arriver Je pense que oui. Tu penses que oui. Je pense que oui. Est-ce que nous avons un gagnant, pensez Léo? Attention, monsieur Nightbot, le juge de paix. J'ai pas rencontré Colin Farrell, je l'ai pas rencontré. J'ai rencontré... Christian Slater. Ah, ça c'est cool. Voilà. Magnifique. Je l'ai doublé dans Mr. Robot. Mr. Robot, c'était cool. Est-ce que tu peux me remettre le tweet si j'ai pas eu le temps de le voir? Pour Boris et Donald, vous souvenez-vous de votre première expérience? Attends, c'est Batoon 711 qui gagne le jeu sur Xbox. Bravo à toi. Ce sera dédicacé par Boris. Ah oui. Vas-y, notre première rencontre. Alors, c'était sur le film Showgirls The Verhoeven. Merci. Dirigé par Jean-Marc Pantier et écrit par Jean-Pierre Carasso, qui se doublait chez Dubbing Brothers. Ouais. Jean-Marc Pantier m'avait vu au théâtre et donc il m'avait fait venir, et comme j'ai pas beaucoup l'habitude, j'étais allé le voir là où il est, chez Jean-Pierre Carasso, l'auteur, où il y avait les machines, les vieilles machines. Mm-hmm. Là, et puis je m'étais entraîné un peu comme ça, et donc je me pointe, je suis convoqué à 14h30 un jour, et donc j'arrive, le plateau était plein et je vois Bernard Gabet, puis aussi Annie de Fromont qui doublait les premiers rôles, lui doublait le gars de Twin Peaks. Là. Ah oui. Et je vois ça, je vois ce qu'ils font, je trouve ça fascinant. Mais fascinant. Il y a David Kruger qu'on entend, on fait un gros bisou à David. Ah ouais, il viendra, David, David, il viendra. Oui, il viendra. Parce que là c'est un gros client, David Kruger. Et donc c'est à moi de passer, mais de 18h45, ils avaient 5 heures de retard. Déjà t'es détendu. On me met dans la cabane. Parce que la scène, c'est je doublais le personnage qui prend la gonzesse en stop au début, donc un peu rock'n'roll. Ah oui, qui est la fin, il y a avec toutes les meufs qui étaient sur tout le monde. Oui, je peux. Voilà, il les arnaque, il leur prend. Et donc, voiture, musique, fenêtre ouverte, donc il faut parler fort. Je suis enfermé dans la cabane, le micro est juste là. Et on y va. On me montre trois fois la boucle, je le fais, et j'entends les personnes à côté qui font. Qui se croisent les jambes et tout. On m'écoute avec la VI. Ouais. On m'entend pas. La VI, c'est les bruitages. C'est-à-dire tous les bruits, la musique, voilà. Tous les bruits additionnels, on m'entend pas. J'ai pensé théâtre, me dis c'est tout près, je vais faire bonjour, comme ça. Jean-Marc Pantier vient voir, il me fait non, Boris, tu oublies, on n'est pas au théâtre. Tu vas faire le doublage comme si tu étais dans la voiture qui roule avec la musique et tout ça. Tu vas avoir l'impression de hurler un peu dans le vide, d'être ridicule. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et je le fais, et puis ça se passe bien. Mm-hmm. Et arrive la dernière scène de fin où il reprend la même. Oh, attention, Indiana Jones, tu vas te faire écraser. Non, mais regarde, tu vas te faire écraser. J'attends voir comment. Elle arrive. Elle va tomber dans le trou. D'accord. Et il arrive la dernière scène. Et là, oui, le même personnage retrouve la même gonzesse, sauf que là, elle est costaud. Elle arrive et il la reconnaît. Elle le braque avec un couteau à cran d'arrêt.
Ouais. Et là, il doit parler toujours dans la voiture, avec la musique, toujours aussi vite, avec le couteau et un cran d'arrêt, et il y a Massachusetts. Ah, ce fameux mot. Le fameux Massachusetts qui arrive. Ça ou probablement. Voilà, avec évidemment des cheveux et des trucs. Je t'ai promis, je voulais pas t'emmener dans le Massachusetts, enfin, et impossible de le passer une fois, deux fois, trois fois. Et puis, huit fois, et Jean-Marc vient me voir, il me dit, Boris, t'es tout à fait capable de le faire, j'ai déjà 5 heures dans la vue, j'ai pas le temps, je vais être obligé de te remplacer. Oh merde. Je retourne chez moi, le Valois-Perret, escalier extérieur, au 6e étage, une chambre de bonne. Compliqué la soirée. Un message, j'ai pas de téléphone portable. Et c'était mon ami Godefroy Segal de la compagnie Incaoda qui m'a dit, Boris, rendez-vous demain chez Mosinor à Montreuil, là, le gros truc en béton. Mm-hmm. On répète là, j'ai un problème avec un comédien, tu le remplaces. Voilà. Oh. Donc ça, c'était bien fini. Bah c'est, ça, t'as eu. Et Agnès Fromont, où j'avais rencontré, elle m'avait dit, mais t'en as déjà fait doublage avant que je me plante sur Massachusetts. Et elle m'a dit, c'est très compliqué à dire, Massachusetts. Voilà. Et je lui ai dit, non, j'en ai jamais fait, tu te débrouilles super bien, donne-moi ton numéro de téléphone. Et 15 jours après, Isabelle Branins, qui travaillait à l'époque chez Alter Ego, m'appelle. Et j'ai doublé Bon Jovi, il avait un second rôle dans un film. Et voilà, puis c'est comme ça. Et puis j'ai rencontré Hervé Covid, Monsieur François Dunoyer, Béatrice Delph, enfin tous les grands. Et puis, puis après, j'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens-là sur ma route qui m'ont. Nathalie Rimbaud. Ah, Nathalie Rimbaud. Nathalie. Voilà. Et après, tous ces gens-là m'ont très bien formé et m'ont toujours donné l'envie. Et cette envie ne jamais partie. Quoi. Ouais. Voilà. Et je remercie tous ces gens-là sans qui je n'en serais pas là. Voilà. Ouais, forcément, c'est top. C'est cool d'avoir ton histoire sur comment t'as démarré. Mais c'est le théâtre moi qui m'a amené au doublage. Voilà. Bah, forcément. Encore une fois. Le comme quoi. Hein, c'est, et toi? Ah moi c'est bah en fait c'était j'ai commencé à chanter en fait avec Claude Lombard et j'ai cherché des enfants pour faire des enfants. Non, ça ne paraît pas, mais il a une plus longue carrière que la mienne. Mais non. Si, il a commencé bien avant moi. Et du coup, ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. T'as et chercher. J'avais 10 ans. Et c'est qu'en faisant ces premiers doublages, j'ai un problème sur la télé, c'est que c'est tellement noir, je vois pas ce qui se passe. Donc je sais qu'il faut que je remonte. Ah, c'est là, ok. Oh là. J'aurai le retour pour arriver à voir là où il faut que j'aille. Ok. Et du coup, j'ai cherché des enfants pour. C'était à l'époque de la 5 pour démarrer. Ah oui. Et du coup, j'ai démarré comme ça. Et c'est en faisant Toy Story que moi, ça a vraiment démarré. Je vais sortir du trou. On va faire gagner. Non, on va faire autre chose. Attends, on a déjà une autre question Twitter qui arrive. Ah non, c'était la même. Ouais. Petite ratée de la part de la réalisation. Je vais remonter. Et tu le sais, c'est un rendez-vous qui est tous les 15 jours. On est là pour, comme aujourd'hui, comme avec Patrick Poivet, pour voir, vous montrer ce que vous avez fait. Et on a des. C'est très chouette. Regarde, c'est beau. Comment ça bouge et tout. Et on est vraiment là pour vous montrer. Attends, Azur. Oh, salut Azur, comment tu vas? Ça fait plaisir. Boris, avez-vous déjà doublé des séries livres audio? Sinon, est-ce que ça vous plairait d'essayer? Je reviens sur ce que je voulais dire après. Des séries? Ah, bah oui, des Des livres audio? Des livres audio. On m'a proposé, et j'ai jamais pu dire oui parce que y a des amis qui font. Enfin, qui sont devenus des amis chez Attention aux chiens, qui en font pas mal. Mm-hmm. M'ont proposé, puis j'étais pas libre. Ah, c'est dommage. Parce qu'il faut du temps. Forcément. Il faut vraiment du temps. Forcément. C'est pas évident, les livres audio. J'en ai fait un pour la bande à Picsou, mais j'ai bien kiffé. C'était vraiment super. J'en ai un avec un ami, François Delève aussi, qui maintenant commence à faire pas mal oui, de complètement. Doublage, le François. Lui, il a fait ça, mais sur de l'astrophysique. Pas évident. Voilà, heureusement qu'il avait quelques connaissances et notions de physique quantique. Oui, ça commence à faire. Hein. Voilà. Là, livre audio comme ça, c'est livre audio qui est un peu difficile à faire. Voilà, un petit peu. Boris, tu sais qu'on arrive déjà pas loin de la fin du live, mais restez parce qu'on a des surprises à vous montrer et encore un cadeau à vous faire gagner. Mais c'est passé très vite. Vous le savez, c'est donc un rendez-vous tous les 15 jours, tous les vendredis à 18h. La semaine prochaine, on va vous préparer le best-of. Évidemment, c'était les vacances pour nous aussi, donc on n'a pas fait le best-of encore avec Patrick. Mais la semaine prochaine, vous aurez le best-of sur YouTube avec Patrick Poivet que va nous préparer notre ami Rob. Mais du coup, il y aura forcément un prochain invité pour la troisième stream VF. C'est qui? Qui ce sera? On va vous le montrer maintenant dans cette prochaine vidéo. Magneto. Ah! Encore une chanson d'anniversaire, une mélodie, une mélopée, mon frère.
Encore une chanson, un soir d'hiver, un inédit, bien inspiré, j'espère. Encore l'occasion de boire un verre, de refaire le chemin à l'envers, entre copains, jusqu'au matin. C'est la superbe cinquantaine, il fallait bien que ça vienne, elle te va si bien déjà. Elle est là, te tend les bras, ton œil qui frise, tes tempes bientôt grises. Franchement, appelez quelqu'un d'autre, les mecs, hein. Je serai pas là, moi, le 18 janvier. Allez, ciao. Adrien Antoine, ah. Le poteau. Et tu me disais un truc pendant la vidéo, Alexios ? Ouais, alors. Alors, le dernier volume opus d'Assassin's Creed, j'ai passé les essais sur Alexios et je ne l'ai pas eu. J'aurais c'est pas dû Adrien. L'inviter sur cette Adrien première, pardon, excuse-moi. C'est mon poteau Adrien. Ah, c'est cool, non, ça fait super plaisir. Vous le voyez, hein, c'est que des potes qui viennent sur StreamVF. Et allez voir sur YouTube Christophe et Adrien, Christophe Lemoine, qui font des compositions depuis des années de guitare. Et avec des clips complètement barrés, et c'est aussi formidable. Bah ouais. Voilà. Christophe aussi qui viendra, mais ils viendront tous. On a le temps pour ça, on est là sur la durée. C'est, je le disais à Boris, c'est vraiment un gros kiff de faire ce show. Je m'éclate, on vous découvre là Just Cause. Il est bon, hein. Et on s'éclate, en tout cas je kiffe. C'est bientôt la fin, on a encore un jeu PC à vous faire gagner. Mais d'ici là, avant de lancer le concours, on va prendre une photo, le Polaroid qu'on fait en toute fin d'émission. Ah, c'est bien, à la fin on aura tout un mur, ça va être beau. Mais j'oublie celle de Patrick, je l'aurai pour la prochaine. Pendant qu'on va faire la photo, on va prendre le dernier jeu sur PC et le mot-clé sera Assassin's Creed. N'oubliez pas, il y a toujours deux S et le petit S apostrophe. Assassin's Creed, c'est le mot-clé, vous avez une minute pour l'envoyer. Nous, pendant ce temps-là, on fait la photo dès qu'on sera prêt et puis on vous la montrera. Voilà. Celle-là, ça ne va pas tarder à popper, c'est toujours mon grand kiff. Alors, quand est-ce qu'on l'a fait ? Attends, ça ne va pas tarder. Pas tarder ? C'est bon, attends. Regardez. Trop fort! Quelle belle fin! On va montrer le Polaroid, évidemment, le temps que se fasse merci, le dernier Gira. C'était un honneur, vraiment, je me suis fait plaisir sur les premiers invités et c'était trop cool de pouvoir t'avoir. Il m'a proposé ça quand on mangeait entre deux séances d'enregistrement de Escape in Dannemora. Voilà, on vous l'a dit, on a kiffé. Tiens, est-ce que le 4, tu serais là, tu seras rentré de vacances ou pas? Je fais oui. J'étais bien content. Et ben, j'ai dit oui. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. Tu me passes le Polaroid? Bah oui, mais il va tarder à arriver. Pensez-le, on laisse encore 10-15 secondes pour le tirage. C'est vraiment super d'avoir pu te montrer Just Cause. Ça te plaît ? Moi, je suis vraiment fasciné par l'univers. Et moi qui ne sais même plus faire un groupe pour envoyer un mail, je suis admiratif du travail de tous ces informaticiens et des comédiens qui font. De tous les gens qui sont capables de. Les développeurs. De faire ça. Moi, ça me fascine. Évidemment, c'est vraiment top, c'est des équipes. On remercie Square Enix de nous avoir offert tous les jeux pour vous. Voilà, il y en a eu pour tout le monde, le PC, l'Xbox, la PS4. Qu'est-ce qui nous émerge là ? C'est Gotaga, celui qui va te mettre une dérouillée sur... Gotaga, voilà, mais moi je ne regarde pas mais ça. Ton mais ton fils il connaît. Hein. Ah bah c'est certain, ouais. C'est sûr. Apex 5S, c'est toi le gagnant du dernier jeu sur Xbox. C'est top. D'ici là, je vous l'ai dit, on va récupérer le Polaroid. Je vais vous le montrer, tu me le donnes s'il te plaît. Merci beaucoup. Il est là le Polaroid. C'est top. Je vous donne rendez-vous le vendredi 18 janvier à 18h pour on va le montrer en petit live. Voilà, c'est cool. Là, il est un peu flou. Hein, mais c'est un peu flou, mais ça va pas tarder. C'est la magie du Polaroid. Vendredi 18 janvier, 18h, le prochain live avec Adrien Antoine sur Assassin's Creed. Il y aura, j'espère, plein de jeux à vous faire gagner aussi. C'était top. Et le vendredi prochain, si tout se passe bien, vous aurez live avec Patrick Poivet. Merci, mon Boris, d'être venu. Merci à toi, ça fait mon plaisir. Camarade. Et puis à tout bientôt, c'était un grand plaisir. Je remercie évidemment les équipes de Gotaga, Polo, à la Real, tous ceux qui ont permis de nous aider à faire le live, je le dis à chaque fois. Voilà, Rob, Dame qui nous font les ta fille Eva qui fait l'assistante Polaroid. L'assistante Polaroid, attention. Voilà, attention. Moon pour les illustrations, Minidos Prod, voilà, je vais en oublier, PlayStation pour la mise à dispo, vraiment. Merci. On vous kiffe, on se voit dans deux semaines. Ciao les gars, à bientôt. Et à bientôt sur un prochain jeu. Oui, ciao.